Et rebonjour, rebonjour à tous. Comment ça va, hein? J'arrive, hein. Évidemment. Bon, la gong. Yes, bonjour. Bonjour, rebonjour pour ceux qui étaient là. Bonjour pour les autres, évidemment. Et dans tous les cas, bonjour à tous. Alors, je baisse un peu la musique, elle est très forte dans mes oreilles. Comment ça va? Quoi de beau? Toujours mes cheveux, hein. Magnifique. Je dois pouvoir faire un truc, genre, un peu de volume. Eh, en vrai. Oh, il est beau le bougre. Bon, je suis très fatigué. Très fatigué. Elle est de la bonne couleur, ma lumière, là. Ah oui, ok. Très fatigué, la journée commence à être assez longue. Mais bon, on est là pour game, hein. En vrai, je vais pas faire trop d'intro, j'avoue que j'ai pas grand-chose à vous raconter. J'ai regardé les LEC, c'était cool, voilà. D'ailleurs, je vais regarder un peu mes points sur la fantasy, là, parce que ça s'est plutôt bien passé, hein. Cent six points, Rickless. Hein. Insane. On est sur 343 points au total. Oh là là là, ça m'éyimbe. Top 2000 mondial. Bien. Bien. Très cool. Ouais, non, c'était cool. D'ailleurs, j'ai trouvé un moyen de le dire de manière RP. Que je suis juste rentré chez moi, regarder la LEC, la Ligue européenne du curling. J'adore le curling, je suis passionné de curling. Voilà, je vais dire ça si jamais on me demande. Je pense que ça peut être marrant. Et voilà à peu près tout, hein, on va jouer. Du coup, ce soir, il y aura Tom Vive, aka Edward Townsend, donc le patron du LS Custom, qui va sûrement me réapprendre 2-3 trucs et. Peut-être un peu m'engueuler pour les véhicules à la fourrière et on pourra voir pour la compta, les paiements, etc. Quoi d'autre? C'est déjà bien. Je verrai. Bah, il y aura Gasteux, donc on va voir ce qu'on fera. Hein. Et c'est à peu près tout ce que je sais. Hein. Le reste, voilà. Il y a Dorino qui m'a dit en MP. Apparemment, il va écrire un article du coup de l'interview, j'imagine. Je sais pas trop où ils vont le mettre, j'imagine sur le Discord. J'ai hâte de voir. Je sais pas s'ils vont genre me tourner en ridicule ou si au contraire ils vont être foulés le jeu. Ou je sais pas. Mais dans tous les cas, ça va être marrant parce que l'interview était cool. C'est vrai que j'ai pas pu trop revenir dessus parce que juste après l'interview, je me suis barré direct. Mais oh non, c'est vrai que je suis à pied à Weasel News. Oh non. Ah ouais, ah, ça donne envie de se reconnecter ça. Hein. Ah putain, merde. Ah ouais, j'avais oublié la dingue. Je sais pas comment fonctionne la fourrière, c'est bizarre. Hein. Parce qu'on n'était pas arrêté si longtemps, je me suis pas tant éloigné que ça. Bon, j'étais sur une place handicapée, certes, mais dans la nuit, j'avais pas vu. Sais pas. C'est peut-être des joueurs, hein. En vrai, il suffit qu'il y ait les speedy qui soient passés, ils voient que je suis garé sur une place handicapée, normalement, ça saute, hein. Je sais pas. Ah, mais on va voir ce qui va se passer ce soir. Je pense qu'il y aura forcément du LS Custom, c'est sûr, parce que bah il y aura Eddie en ville, on va pouvoir faire des trucs. D'ailleurs, faut que je lui parle d'un petit truc in-game, un projet que j'ai in-game. Vous verrez, ça va être marrant. Enfin, marrant, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Je verrai si je peux avoir un rendez-vous chez le psy. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un peu chaud en fait. Je viens de mettre mon pull parce que j'avais froid, mais en fait, j'ai chaud. Très bien. Voir aussi pour le label de musique, c'est vrai qu'il y a ça. On va voir si on peut se faire notre petit label de musique. Après, je sais pas trop comment ça peut être rentable. Ça, j'avoue que c'est un truc qu'il me tarde de découvrir. Si, en vrai, si on fait des concerts et qu'on peut genre faire payer l'entrée, ça peut être worth de fou.
Je sais pas trop. À voir. J'ai hâte de voir aussi la mise à jour des amendes. Je sais pas dans combien de temps ça sera fait. Je pense que c'est pas pour tout de suite non plus. Mais ouais. Très hâte de voir. Je lance le jeu, hein, comme d'hab. Ça met 1000 ans, évidemment, sinon c'est pas drôle. Tiens, et d'ailleurs, pour le... Oui, je crois que j'étais... ouais, j'étais pas en live, je crois, quand j'ai vu ça. Je sais plus. Mais en gros, mon crash que j'ai avec les RGB, je peux l'éviter apparemment si je passe par le menu F5, au lieu de passer par F3. Donc à voir. J'essaierai, on verra si je crash. Mais du coup, voilà, ça peut être un bon bail. Très bien, je pouvais pas mettre pause à la musique du jeu. C'est un plaisir. J'ai dû baisser le son. Il y en a plusieurs. Ouais, non, d'accord. Merci, hein. Merci Monsieur Oiseau pour les services. On va lancer TeamSpeak aussi. Cette phase, elle fait très Étienne de Crécy, je trouve. Ce petit synthé là. Je pense que c'est plus Étienne de Crécy qui s'est inspiré, évidemment. Hein, mais A priori. Ah, c'est bon. J'avais lancé TS il y a 1000 ans. Ça vient de s'ouvrir. Tout va bien. Ça, je comprendrai jamais. J'ai fixé genre mon bitrate, donc en gros la quantité de réseau que je transmets via OBS directement à Twitch. Je l'ai fixé à 6000 pour que ça reste tout le temps à 6000. Je ne comprends pas pourquoi elle est à 6500 là. Il n'y a aucune raison, frérot. Surtout qu'en plus, 6000 c'est le maximum autorisé par Twitch. Sinon, je pourrais mettre Pulse. J'ai un upload de fou, je pourrais aller jusqu'à genre 40 000. Bon, 40 000, j'aurais plus beaucoup de marge, mais voilà. Mais genre. Moi, ça me fait peur, ça dépasse les 6K. Normalement, Twitch, ils ont dit 6K max, quoi. Ok, je me connecte. Oh, y a plein de gens, let's go. Juste checker que les périphériques sont bien renseignés. Très important. Oh, il y a un magnifique son de... Ouais, c'est bon. Ah bah... Hey! Ma détection de voix était vachement montée. Plus que d'habitude. Peut-être ça qui s'était passé la dernière fois et j'ai pas fait gaffe. Ah, on coupe un peu la musique. Je vous mettrai le son du jeu dès qu'il y aura plus les bip-bip, évidemment. Je peux vous mettre la scène, oui. On peut se faire ça. Très bien, pas de jeu. Voilà. Le jeu. Le game. Le gameplay. Tu as le temps que ça se lance? Je vais me mettre à poil. Got the juice. Allez. Pas possible ça là. Attends, une plombe pour jouer là. Je suis à la partie de jeu. Ah, c'est bon. Ok. Le son du games. On est parti. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, ça vient de se passer, mais j'avais déjà oublié. Comme s'il y avait un genre d'événement traumatique. Mais attendez, mais je suis pas au Wizard News là, si? Ah si, oui, je t'ai garé juste là. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Oula, oula, dingue. Alors, qu'est-ce que... Voilà, la soirée d'ouverture du casino, ce serait une bonne occasion pour la pub.
Ah merde. C'est ce soir. Bonjour, je me donne Aiden Brown, je voulais savoir si c'était possible d'avoir un entretien avec vous. Salut, Aiden. C'est pas le patron. C'est pas moi qui engage. Mais il sera là ce soir normalement. Je te recontacterai. Est-ce qu'on a d'autres? Lieutenant 24, il est speedy. Très bien. Oui, c'est bonjour, je suis simulé. Ah, très bien. Je vous tiens au courant. J'en avais un. Ah oui, là, il y a. Hello, vous êtes dispo? Hello? Oui, je suis dispo. Je sais pas pourquoi. Très bien. Brisbane. Ah là là. Noté mon numéro alors, désolé, tiens bah je tombe bien, je me demandais si jamais je suis dans l'obligation de le faire, la LSPD pourrait fermer les yeux sur un vol de véhicule. Je demande comme ça, hein, au cas où. Mais attends, mais du coup, j'avais pas, oui. Monsieur tout court, ça ira. Ou mon bon monsieur, si vous préférez. J'aime bien aussi. D'accord, merci. Mais non. Je rigole. Monsieur le psy. Je suis Monsieur Fork. Peter Fork. Meilleur avocat ragiste de Los Santos. Le traitement, il n'y a aucune exception. Par hasard. Ouais. Le coin de Wiz en véhicule. Hello? Demande yes. Comme ça, hein. Au cas où. Et du coup, j'avais noté Pawa. Attends. 113 23 99. Ah. Mais bon vent. 113, 23, 99, j'ai mis quoi à Pawa, moi? Lieutenant Pawa. Mais merde, quel con. Ah. J'ai mis 24, 99 alors que c'est 23, 99. Let's gong. Très bien. Très bien, très bien.
Lieutenant Pawa. Modifier le contact. 113 23 99. Let's go. Il m'a dit quoi ? Merci, d'accord, super. Un sacré rigolo ce petit Pawa. Ok, oh. Vous sauriez vous déplacer ? Rendez-vous ? Disons, si par hasard, je prends l'exemple, comme ça, que je sois à Weasel News, à pied, vous pourriez venir me prendre dans un rendez-vous véhiculé. Got the juice. And it got me trippy. Let's go. Je suis à pied. Je suis à pied. Non, c'est pas là. Ah si, il y avait festive. Il devait y avoir les danses. Ah non. Bruce Bale. Mais c'était pas tant un exemple au hasard que ça, en fait. Merci infiniment. Il y a... je crois que c'est Hike. Hike ? Non. Stop peut-être ? Stop ? Non. Maintenant ? Oui, si possible. Mais on va aller chercher, hein. Ah, je sais plus. Ah, ça peut pas être un truc. Non. Ah, flip en vrai ? Non, je crois pas. Ah. Hiking ? Pas du tout. Hangout, hug. J'ai une charge. Jog ? Non, bah non. Je crois que j'ai un souvenir de jog. Pas du tout. Kiff. Ah oui, non, ouais. Nina, clap dance. Lean. Lift. Putain, c'était ça. Ok. Got that juice. Que me dit Bobo ? Cimer. Merci. Oh pardon. Oui, bah écoutez, on a tous nos problèmes. Moi je galère avec mes émotes, vous me laissez tranquille. Très bien. On est où niveau inventaire? Presque 5000 dollars. En vrai, il est grave BG mon perso là. Pourquoi à chaque fois que je dis que je suis BG, tout le monde dit non ? Il est trop beau. On dirait moi. Un peu moins bien foutu quoi, mais. Ouais. Pixel ce personnage. Bonjour. Bonjour madame. À vos souhaits. Très bien. Let's go.
Je vous préviens, je suis fatigué. Hein. Le level aujourd'hui, ça va pas voler haut. Ou au contraire, ça va voler très très haut. Ouais, le LSMC est pas loin. Hein. Bonjour. Je sais que c'est pas lui, mais on tente. Hein. Oh la dingue. Ah ben, c'est la voiture de l'IAM. Bonjour. Bonjour. C'est vous, monsieur Ball? Oui, c'est bien moi. Ah, enchanté, je peux monter? Allez-y, je vous en prie. C'est fermé. C'est fermé, maintenant? C'est ouvert. Merci beaucoup. Attachez votre ceinture. Effectivement. Ah, vous, oh là là, vous me sauvez la vie. Hein. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je me suis fait interviewer par le Weasel News, parce que je suis plutôt quand même une star montante de la ville. Et quand je suis sorti du bâtiment, mon véhicule avait été emmené à la fourrière. Du coup, pas de chance. Je vous dépose à la fourrière? Oh bah, en vrai, pourquoi pas, mais à la limite, on peut faire ça après le rendez-vous, si vous voulez. Ou avant, maintenant, comme vous voulez. Bon, on va le faire maintenant. Ouais, parfait, comme ça sera fait. Ouais, c'est parti. Donc vous êtes monsieur Boris, c'est ça? Monsieur Pâle, ouais. Monsieur, d'accord. Monsieur Pâle? Monsieur Pâle. Avec un P? Avec un P. Ah, ah bon, on m'avait dit avec un B. Comment ça avec un B? Mais qui vous a dit cette chose? Je sais même plus trop. Je sais plus. Après, c'est peut-être moi qui ai mal entendu. Hein. Bah, je vais rectifier ça. Et expliquez-moi. Alors, Boris. Pourquoi cette prise de rendez-vous? Bah écoutez, attendez, Boris. Pâle avec un E à la fin quand même. Hein. Boris. Ah ouais, donc à part ce. Les bières pâles. Ah, je connais pas, je bois pas d'alcool, donc je connais très peu la bière. Sinon les pales d'avion, quoi. Ah oui, les pales d'avion, en effet. Alors pourquoi ce rendez-vous? Bah écoutez, c'est très simple, je crois que j'ai des genres de spasmes. En fait, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de mettre des coups de poing à des gens que j'aimais bien, sans qu'ils l'aient mérité, et sans que je le veuille. Mmh. Et bah, j'aimerais peut-être me faire soigner, ou je sais pas trop. D'accord. D'accord. Bah, à la limite, si vous voulez, je prends mon véhicule, on se rejoint au LSMC. Et c'est parti. Ça marche. Bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir ramené. Sans prêt, hein. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Bisous. Le bisou, il passe une fois sur deux. Hein. Alors, à tout moment, mon véhicule n'est pas à la fourrière, je me suis juste fait péter. Ah oui, mais de toute façon, ils sont là à l'infini. C'est de la merde, ça. Oui, après tu me diras, c'est cool si jamais un jour tu trouves plus ta voiture. Ah oui, Gaste. Oui, mais c'est un peu fini, il reste peut-être des gens. Ah bah, tant pis. Une prochaine fois. Une prochaine. Bon, allez. Ah oui, non, c'est vrai qu'on s'en fout pas au final. Les limitations. Pas trop où je vais, mais de toute façon c'est par là, hein, donc ça m'y mènera bien un moment. Hein. Oh le SPD. Je connais cette voiture. La voiture de qui déjà ça? Je sais plus. Mais attendez. Mais non, mais c'est pas le bon garage. Mais putain de merde. Pardon. La douleur m'égare.
Alors, il va falloir réussir à faire une conversation RP. Sauf que s'il veut vraiment régler mon problème, il va comprendre que mon problème, c'est un problème de touche. Et en vrai, j'ai des questions techniques. Alors moi, je suis chaud. Je veux pas changer mon bouton de push to talk. Mais je suis chaud de changer mon bouton de clic gauche. Mais du coup, est-ce que si par exemple, plus tard, je me mets à posséder des flingues, est-ce que il y a moyen de changer juste la droite et pas tout, quoi. Et c'est ça qu'on va lui demander un peu. Bon, alors désolé pour le code de la route, mais là, je me suis trompé de route, donc ça devient urgent de... Voilà. Oh la dingue. Non mais c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Ah oui, le jeu est pas très fluide parce que... Ah oui, oui. Non mais je sais pourquoi. Je vais régler ça. Ce sera pas non plus pixel perfect, mais ça ira mieux. Parce que attendez, normalement... C'est par là? Non? Je me suis paumé. Bah là-bas, il y a le LSM... Attendez. Pour moi, le custom, c'est celui à droite, là. Oh la dingue. Ah oui, c'est bon. D'accord. C'est bon. Oui. Putain, j'ai envie d'être en là-haut juste pour pouvoir rouler partout. Trop frustrant de jouer à GTA et devoir suivre le code de la route. C'est marrant d'un côté, mais c'est vrai que c'est frustrant. Super ça. Je vais quand même pouvoir garer le véhicule ou... C'est bon. Allez, République démocratique du Congo, ça me va. Rebonjour. Bonjour, allez. Monsieur Pal, hein, c'est bien ça? Oui, oui, c'est bien ça. Allez, suivez-moi. On va discuter dans un bureau tranquillement. D'accord. Ce sera quand même mieux que dans un hall d'entrée. Oui, c'est vrai. En vrai, j'aime bien ce hall. Hein. En vrai, je le trouve assez sympa. Très clair, ouais. Très très clair. Mais sympa. Le problème, c'est quand on arrive et que... Ah oui, et qu'on arrive de dehors, ouais, ça... Ça tape un peu. Vous voulez un café et un... Non merci, non, je bois que de l'eau. Vous êtes pur? Oh, je sais pas si je suis spécialement pur. Vous savez que je suis un ancien fumeur? Bah ça s'entend un peu à votre voix, non? Ah, merci. C'est vrai? Je ne fais que constater. Pourquoi vous dites ça? C'est très grave. J'ai fumé 2 cigarettes dans ma vie. Eh ben, pour un ancien fumeur, c'est déjà beaucoup. Mais oui, je suis d'accord. Mais vous savez que c'est grâce à vos collègues que j'ai arrêté? Ouais. Oui. C'est eux qui m'ont déconseillé de commencer la cigarette. Bon, j'avais déjà un peu commencé, mais du coup, j'ai pu arrêter assez tôt. Bon, ben, c'est bien. Alors, c'est parti par là. Hop. Oui. Forcer un peu, hein. Voilà. Mais... Et là, par contre, faut tourner tout de suite à droite. Parce que, voilà, il y a une petite plante. Ah, ouais. Ah oui, ah bah c'est pas très pratique ça. Asseyez-vous si vous voulez. Ok, bon. Alors. Monsieur Folk. Fork, avec un R. Attendez, je suis à vous dans un instant. Je suis en RDV psychiatrique là. Je te réponds juste après. C'est bon, oui.
Déjà venu ici. Oula, beaucoup trop. C'est vrai? Ouais, j'ai battu un petit record apparemment. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quoi, 2-3 jours, je suis venu 4 fois dans la même journée. C'était pas mal, non? Oui, redites-moi votre nom de Monsieur famille, s'il vous plaît. Fork, Fork, Fork. Peter. Peter Fork. Avocat légiste. Très bien. Eh bien, écoutez. Eh bien, on va commencer maintenant, alors. Comme ça. Moi, si vous voulez, je me suis déjà. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et j'ai remarqué. Je pense avoir une idée d'où vient le problème. Après, c'est pour la résolution que c'est compliqué. C'est qu'en fait, je pense que quand je parle. Et quand je mets un coup de poing, c'est des zones très proches dans mon cerveau qui s'activent. Je pense que c'est ça. Je sens les neurones très proches qui s'activent. Et peut-être avec un sens de kiné qui vous détend un peu les muscles. Peut-être. C'est vrai que Alex est un bon ami et il fait des touchés incroyables. Alors. Des touchés lombaires. Oui, non, voilà, c'est. Alors on va éviter les insinuations Mais bizarres je comprends pas, liées à mon jeu de mots, à non? chaque fois que je dis ça, on me rit au nez. Oui, parce que vous savez, ici à Los Santos, on est très. Très jeu de mots, si vous voyez ce que je veux dire. Jeu de mots. Non, Non, je l'ai oui, pas de pas. jeu de mots. Ah! Mais c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit, si vous voulez, je peux me lever et vous la sortir. Et on s'est moqué de moi aussi. Ouais, C'était pour ça? je comprends. Ouais. Attendez, je vais regarder juste un truc sur l'ordinateur. Parce que moi, je parlais de ma carte d'identité à la base. Ce fork, vous avez des antécédents violents? Oh bah non, non. Enfin, à part ces petits coups de poing décochés, non, non, aucun. Justement, moi, à la base, je suis quelqu'un de très, très calme. Et c'est depuis que je suis arrivé ici que vraiment, de temps en temps, hop, ça part. Mais sans aucune agressivité. Je veux dire, j'ai pas de sentiments négatifs envers les personnes à chaque fois. C'est ça qui m'inquiète. C'est que je comprends vraiment pas le raisonnement derrière cette droite. J'ai l'impression que mon corps agit tout seul quelque part. C'est quand même curieux ça, non? Oui. Mais Après, je suis quelqu'un de très maladroit, mais. vous êtes bon, d'accord. Il y a des choses qui peuvent entraîner cette violence, même si elle est partielle. Ah, c'est très souvent quand je parle, ouais. En plein milieu d'une phrase, hop, ça part. Il y a Après, des c'est. répercussions dû à vos actes. Non, très peu, très peu. J'ai dû m'excuser pas mal. Non, non, ça va. Je me suis mute pendant ma Pas de phrase. bagarre en soi. Non, de bagarre, jamais. Non, non, non. Toujours un coup, désolé, et on repart, quoi. Il n'y a que avec l'agent immobilier qu'on s'était échangé un peu un autre coup, mais je crois que c'est parce qu'il a un problème similaire au mien. D'accord. Bon, pourtant, je le connais très bien, l'agent immobilier, et à aucun moment, il m'a Ah, frappé. moi, il m'en a mis une belle quand même. Ouais. Sinon, est-ce que vous avez scié aussi, si ce n'est champ, enfin, Pardon? je suis en train de réfléchir à la forme, donc comment vous dire, essayer de modifier les muscles. Enfin, les muscles qui vous permettent J'ai de essayé. parler Non, en et fait, justement, disons que le muscle pour parler, voilà, je peux pas le changer, c'est mon muscle pour parler. Là où je pense qu'il peut peut-être y avoir un peu de travail à faire. Excusez-moi, j'ai un message d'un client, je peux lui répondre dans 2 secondes? Ouais, Je suis à vas-y. vous dans 2 secondes. Non, allez-y.
très bien, pardon, désolé, j'ai un business à faire tourner. Deux même, mais bon. Donc oui, non, par contre, c'est plus au niveau de la pulsion de violence que je pense qu'on peut faire peut-être de du remaniement. Le seul problème, c'est qu'en fait, je me dis, vous voyez, je suis quelqu'un de très paisible, et du coup, forcément, je ne suis pas armé. Sauf que si un jour, me venait-il par exemple à l'idée de faire de la chasse, je ne sais pas si en travaillant sur ma capacité à mettre des coups de poing, ça pourrait aussi altérer ma capacité à tirer avec une arme, par exemple. Ou est-ce qu'on pourrait séparer ces choses-là? Ça, je ne sais pas trop. Alors, oui. Alors, quand vous avez une arme, vous avez un muscle qui vous permet de viser et un autre muscle pour tirer. Oui, et ce muscle pour tirer qui est a priori le même que pour décocher une droite, hein, il me semble. Exactement. Est-ce qu'on pourrait les dissocier? Parce que j'aime bien, moi, ce muscle pour tirer. Enfin, comment ça vous aimez ce muscle pour tirer? Non, mais je veux dire, ça me paraît logique. Enfin, je veux dire, c'est naturel, c'est dans le cerveau. Je me dis, voilà, je vais appuyer sur mon doigt pour la gâchette, quoi. Voilà, c'est ce point-là. Pourquoi est-ce que vous aimez tirer? Ah non, j'aime pas tirer. Non, non, quand je disais j'aime, je veux dire, ce serait... Si je m'imaginais tirer avec un pistolet, j'imaginerais forcément ce muscle-là. Mais en soi, j'aime pas du tout tirer. Enfin, je l'ai jamais fait. Peut-être que j'adore ça, mais j'en sais rien. Mais j'ai pas envie de le faire. Terrible. Très bien. D'accord. Il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez me dire par rapport à ça? Non, pas spécialement. C'est vrai que c'est surtout pour ça que je venais, ouais. Parce que après, ça peut être aussi lié à votre surcharge de travail, peut-être aussi. Peut-être. Après, c'est vrai que j'ai commencé à avoir ce genre de problème alors que j'étais encore chômeur. Donc, c'est peut-être pas. Peut-être que ça joue, mais je pense pas que ce soit la cause initiale. C'est souvent, je veux dire, la récurrence de cette violence. Oh, écoutez, je crois même pas que ça me soit arrivé aujourd'hui, mais sinon ça peut m'arriver plusieurs fois par jour. Ouais. Après, peut-être que c'est juste passager et que ça va passer, mais c'est vrai que pour l'instant, je m'en suis toujours sorti parce qu'à chaque fois, c'était... Je comprends, c'est important de faire un peu d'exercice. Je vous vois. Hein. Je le fais pas exprès, excusez-moi. Ah bah, on a peut-être une maladie un peu similaire. Non, c'est juste que j'avais une crampe sur mes genoux et j'avais besoin de... Je comprends. Qu'est-ce que je disais? Oui, non, pour l'instant, ça s'est bien passé parce que c'était avec des personnes avec qui je m'entendais bien. Mais le jour où un inconnu menaçant m'accoste et que je réagis de cette façon, ça pourrait être très compliqué pour moi, j'imagine. Et vous êtes garagiste, c'est ça? Je suis avocat-garagiste. Oui, donc si on dissocie les deux, vous êtes avocat et garagiste. Oui, mais les deux ne se dissocient pas dans mon cas. Je suis c'est la double casquette que j'ai. D'accord, bon. Et en tant qu'avocat garagiste... Avocat garagiste, oui. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Vous êtes... Vous pouvez occuper ce poste si vous n'avez pas de clé à molette pour... ou de clé anglaise pour la double casquette pour le garage. Parce que normalement, il vous faut un titulaire du PPA. Ah bon? Une clé à molette, c'est... Après, j'en ai pas une à moi. J'utilise celles qui sont dans le garage et je les porte pas sur moi à proprement parler. Parce que l'utiliser est considéré comme une arme létale, une arme blanche. Ah oui, mais je l'ai pas sur moi. Moi, elle reste toujours au garage, la clé à molette. D'accord. Et ça vous est déjà passé à l'idée de passer votre PPA? Non, pas spécialement. J'ai pas d'arme, j'ai pas l'intention d'en avoir. Pourquoi je passerais un PPA? Ah, je sais pas. Non. Non, par contre, le permis camion, c'est vrai que ce serait pas mal, parce que pour l'instant, je peux pas conduire la remorqueuse. C'est vrai que ça, c'est pas pratique. Ouais, non, je sais bien. Ouais.
Mais non, permis de port d'armes, non, 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 merci. Peut-être permis de bateau, un jour, pourquoi pas. Mais permis de port d'armes, non. C'est possible de passer un permis d'avion? Écoutez, ça fait depuis exactement 2 mois et demi que je le demande au gouvernement et toujours pas arrivé. Aïe, Je aïe, pourrais aïe. passer le permis hélicoptère. Au Oui. sein de la Oui. LSPD. Ah, au sein de la LSPD? Ah oui, il faut passer par la LSPD. Hein, Ah, mais pour... je suis pas policier, moi. Non, je sais bien, mais il faut passer par eux pour essayer de le passer. Mais vous ne D'accord. pouvez pas avoir votre propre hélicoptère. Ah oui, ouais. Pas de chance, ça. Étant titulaire moi-même du permis hélicoptère, vu que je suis aux EMS, oui, je peux en avoir un, mais souvent, selon l'état d'urgence en ville, on ne peut pas ni passer un PPA, ni passer le permis hélicoptère. Enfin, vous voyez, vous comprenez. Mais Et pourquoi exactement ce désir de passer le permis d'avion? oh non, c'est pas vraiment un désir, je me demandais comme ça. C'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est véhicule et tout, hein, d'où ma vocation, donc j'aime bien me déplacer à l'aide d'engins. Et pourquoi pas, j'aimerais bien essayer un peu tous les engins possibles. Vous avez déjà pris le train? Quand on parlait d'engin, De on parlait véhicule. de véhicule, d'accord. D'accord. Oui, le train à Los Santos. Non, pas forcément, quelque part. Moi, Oui. j'ai jamais pris le train. Ah, vous êtes Non. plutôt un conducteur de véhicule. Ouais. Ok. Et vous travaillez dans quel garage? Le Los Santos Custom. Ah, oui. C'est pour ça que j'y vais plus. Pourquoi? Oh, bah le. Après, je suis très récent, hein. Le La deal. qualité de nos services a beaucoup augmenté, hein, depuis que je suis là. Oui, ben. Un conseil qui restera dans ce bureau, du moins. Le mieux, c'est que vous ouvriez votre propre garage, hein, parce que le directeur du LS Custom est quand même à très mauvaise réputation. J'ai cru comprendre, après c'est purement professionnel, hein, moi. Ouais, mais du coup, ça fait fuir les clients. Donc, si vous avez un garage à vous. On a quand même beaucoup de... Écoutez, vous connaissez Alex, forcément, Alex Spring, votre collègue. Ouais. Vous avez Twitter? Oui, j'ai Twitter. Regardez, si vous allez sur Twitter et que vous regardez dans les top tweets, regardez le deuxième. Est-ce que vous pensez qu'il y a une si mauvaise réputation que ça? Sachant que les clients là, à l'heure actuelle où on parle, des clients sont devant le LS Custom, en train sûrement de se battre pour savoir qui passera le premier. Moi, je comprends votre... En soi, je comprends votre avertissement et merci beaucoup. Mais je suis quand même un avocat rajiste hors pair. Et force est de constater que la demande est là. Et pour l'instant, moi, je compte bien redorer le blason du LS Custom. Hein. Vous savez, faut pas confondre l'homme et le garagiste. Hein. Mon patron est peut-être une ordure. Il s'y connaît. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il frappe gratuitement les personnes. Ah! J'étais pas au Oui, courant, ça. Bah après, moi aussi, du coup. mais lui c'est gratuitement et pour aucune raison. Ah, moi non plus, aucune raison. Visage donc. Ah. Ah bon? Mais c'est vrai que je l'ai très peu vu au final, hein, mais... Oui, mais quand je vous dis ça, c'est un conseil d'amis quoi. C'est. Vous prêtez des casques au LSMS, MC? Si jamais, parce qu'il sera peut-être en ville ce soir, c'est vrai que du coup là vous me faites un peu peur. Le mieux, c'est quand même que de vous en acheter un dans les magasins d'habits, ils en vendent parfois. Mmh, C'est d'accord. pas là où vous achetez les vêtements, c'est un peu plus éloigné, plus vers les caisses ou vers les haltes. D'accord. Mais si vous êtes sûr qu'il va venir ce soir? Mais c'est ce qu'il m'avait dit, ouais. D'accord. Après, je sais pas, hein, il est quand même maître de son destin, hein, mais a priori, c'est ce Non, qu'il m'avait mais dit. Ouais. toute façon, ce qui est dit ici, c'est ce qui est dit ici, confidentiel. Oui, bien sûr, bien sûr.
Tiens, puisqu'on est dans la confidentialité, est-ce que des gens... Alors, c'est pas pour moi. Hein. C'est... Vous allez vous dire que c'est bizarre, mais c'est pas bizarre. C'est que je mène une petite enquête en tant qu'avocat. Est-ce que des gens seraient déjà venus ici pour vous parler de problèmes d'attirance sexuelle envers des véhicules tels que des voitures? Attendez, vous me le refaites, là? Est-ce que des gens font l'amour à des voitures ici? C'est une enquête... Écoutez, une personne, dont je tairai le nom évidemment, a sous-entendu qu'il était en relation avec son véhicule. Et je voulais savoir si c'était un truc commun, auquel cas, bon, bah, soit c'est une ville de dégénérés, mais d'accord, soit si c'était cette personne qui était dégénérée. Et en tant qu'avocat, ce sera peut-être un de mes clients, donc c'est important pour moi de savoir si, si on est sur une personne folle ou pas, quoi. Bah, si je connais, si vous me dites pas la personne, je peux pas savoir si c'est la personne à laquelle je pense. Ah! Bon, donc au moins une personne est déjà venue pour vous faire part de ce genre de sentiment. Oui, bah j'en vois assez souvent, vous savez, toute la moitié de la ville passe par ici parce que je suis le seul psychologue de la ville. Et du coup, il y en a vraiment plusieurs qui vous ont dit qu'ils aimaient faire l'amour à des voitures? Ah oui, oui, oui. D'accord. Ah bah ces derniers jours. Ah. Parce qu'au LS Custom, on m'a jamais demandé de trop changer les pots d'échappement. Peut-être après que c'est qu'il y a déjà peut-être un attachement, mais... Ouais. Bah je ferai attention. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais peut-être y aller parce que c'est vrai que j'ai des clients qui m'attendent. Non, oui. Attends, vous avez trouvé quoi dans ces pots d'échappement? Parce qu'on les change pas souvent, vous avez dit. Ben rien, non, justement, c'est que j'ai même jamais changé le pot d'échappement. Et je me disais, en soi, s'il y a tout un fétiche de faire l'amour à des voitures dans cette ville, peut-être que les gens vont me demander des pots d'échappement différents. Plus serrés, plus... voilà, d'une certaine forme, j'en sais rien. Attendez, mais vous le sentez? Je vous avais pas entendu, pardon, la pluie est très forte. J'ai dit, cette personne... Parce que cette information, elle est sortie bien quelque part. Oui. Bah, je peux pas vous divulguer son identité. Bah, de toute façon, ce qui est dit ici, elle reste confidentielle. C'est Liam Murphy. D'accord. Liam Murphy m'a dit qu'il était en relation avec sa voiture. Du moins, c'est ce que j'en ai compris. Attendez, c'est ce que vous avez compris ou c'est ce qu'il vous a dit? Bah, je lui ai demandé s'il était en relation. Il m'a dit, j'ai ma voiture. Où je suis avec ma voiture. Alors, il n'est pas allé jusqu'à décrire ses pratiques sexuelles, mais du coup, je me demandais si, effectivement, c'était commun ou pas, quoi. Ouais, je vois. Non, parce que l'autre jour, il y a un gars qui, bon, n'était pas spécialement bien vêtu, mais je l'ai vu traîner près d'une décharge de véhicule et, bon, bah, on va dire qu'il faisait des gigotements avec la portière. Ah, et c'était Monsieur Murphy? Alors non, je pense pas. C'est vrai qu'il est très bien vêtu, Monsieur Murphy, donc oui, ça aurait peu de sens. Bon, bah en tout cas, moi, faut vraiment que j'y aille. C'était un plaisir. Oui. Vous alliez voir en direction de Mirror Park, c'est là-bas qu'il y a méga d'échange de véhicules, et là, vous pourrez mener votre enquête. Ah d'accord. Donc... Mais j'irai voir. Vous allez où à LS Custom? Oui. Vous voulez y aller? Je peux vous prendre sur mon dos si vous voulez. Non, non. Vas-y. Alors attendez, faut que je vous facture quand même tout ça. Ouais, dites-moi. C'est pas trop cher, j'espère. J'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Non. Alors bon, vous en avez. Oh, coup-ci, coup-ça. Vous avez des problèmes avec le jeu aussi? Ah, pas du tout, non. Vous êtes pas encore dans le casino, c'est pour ça? Non. Non, non. Apparemment, il y avait un truc ce soir, mais moi, j'étais chez moi en train de regarder du curling, donc... Du curling sur gazon?
Gazon, glace, tout. Regardez la LEC, la Ligue Européenne de Curling. Il y a aussi l'Aqua Curling. Ah, l'Aqua Curling. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est un peu comme ce qui se passe avec les voitures, mais... C'est quand même un peu l'Aqua Planning, mais avec un curling. Oui, 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 je vois. Pas mal. Pas mal, pas mal. C'était là. Ok. Oui, je suis toujours là. En fait, c'est cette pièce qui me fait laguer le fou. Oui. Ouais, mais tu devais pas dormir, toi ? dis-moi. Ok. Je parie que t'es pas toute seule. Ça, c'est marrant, j'entends une petite voix. Je sais pas si c'est via son haut-parleur ou si c'est prévu qu'on entende une petite voix quand il y a la radio. J'essaie de m'écarter un peu de dehors. Hop là. Oh, c'est bugué. Très bien. Alors. Dites-moi tout. Bah, la facture. Oui, oui. Voilà. Ah, ça va. Et honnêtement, je m'attendais à plus gros. Bon, ça va alors. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, moi, le devoir m'appelle. Allez-y. Vraiment un problème de jeu de mots. Hein. Très bien, bonne soirée. Hein. Bisous. Putain. C'est le pire de tous, lui. Ce bon vieux Boris. Alors là, j'ai très peur de ce qui va se passer. Hein. Normalement, ma voiture va pop ici, donc c'est ok. Oui. Oh, la dingue. Ok, bon bah ça va alors. On a survécu. Oh là là. C'est là-bas. Suivez cette voiture! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, pardon! Oh, je suis désolé. Ouais, bah... Non, mais je vous paierai la réparation gratuite. Je suis désolé. J'espère. Évidemment. Qu'est-ce que c'est ce monde? Vous avez reculé, je m'y attendais pas. Ouais, non mais... C'est vrai qu'il y a peu de passages ici en général. Ouais, je me doute. Pour... Vous venez pour quelque chose en particulier? Bah ouais, c'était pour cette voiture, mais du coup, allez-y. Bah pour la réparation, ça ira, vous voulez faire des modifications? Parce que, attendez, je crois qu'il y a un client qui m'attend à l'intérieur, je vais juste aller le voir. Allez-y. Ça marche. Non. Merci beaucoup. Des bisous. Bonjour, bonjour. Ah bonjour, quel plaisir de vous voir. Bonjour. Un grand plaisir. Bonjour, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Dites-moi tout. Désolé pour l'attente, j'étais en rendez-vous psychiatrique. S'il vous plaît. Aïe, 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 malheureusement, on fait pas ça ici. Ah non, je viens prendre un proto. Ah, quoique. Si, vous voulez du pain? Non, on a du pain. Non, merci. Sûr, hein. Au bistrot, monsieur, sachez que le pain racide a pris. Ah oui, vous êtes monsieur Barm. J'aurais 2-3 questions à vous poser juste après. À la limite, je peux prendre vos coordonnées? Oui, et puis sinon je vous laisse vous changer et puis on en parle pendant que vous êtes sur ma moto, hein, y a pas de problème. Hein. D'accord, ok, bah j'arrive alors. Oh la dingue. Bon, heureusement qu'il m'a rappelé de me changer, j'y aurais pas du tout pensé.
Et tada ! Alors, ça me va bien, hein ? Ouais, très bien. Vous êtes très merci, bien. Merci, merci, merci. Pardon, monsieur Boris, me faites pas de mal. Allez, relève-toi, je te ferai rien. Ah, c'est bon, pas besoin de jouer à la comédie, les deux, là. On dirait un, baron de la mafia. J'ai peur. Avec ma tenue, tu trouves ? Alors, non, mais Boris... Ah, bof. Bof. Bon. Alors, je peux te tutoyer ? On n'hésite pas. T'es familier avec comment on procède ici ? Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Dis-moi tout. Bon, on va commencer par full pair. Ok. Alors, un petit instant. Pas de soucis. La petite compta, tout ça, tout ça. Avant tout, vous êtes monsieur. Global. Du prix. Ouais, bah à la limite, je peux vous faire une estimation. Ah, full pair, tout à fond. Ouais. Ah oui, ça va coûter, hein. Ouais. Je peux avoir votre prénom ? Nathan. Parce que vous avez peur que je paye pas ? Non, c'est que nos feuilles de paye se commencent par le prénom, donc je fais méthodiquement. Nathan Leroux. Nathan Leroux. Très bien. Attachez-le. Alors. Oui, d'accord. Bon, Alors, full pair. Bah écoutez, va falloir que je calcule un peu tout ça. Je vous donne le prix après et si ça vous va, on fait tout d'un coup ? N'hésitez pas. Ça marche. Bon, bah je suis à vous dans un instant. Vous pouvez papoter avec les autres si vous voulez. Pas de problème. J'arrive. Alors, la dingue. La dingue. Upgrade. Frein. Mécanique, ouais. Prix fournisseur, on est sur 2448. Ok. Moteur. Non. Moteur. 15 318. Ok. Suspension 669. Ok. Transmission 8371. Et turbo 6755. Bah écoutez, vous avez plutôt de la chance avec ce modèle, ça ira pas trop. Tout à l'heure, il y a les coupeurs. Attendez, on va s'éloigner un peu parce que. Très bien. Oui. On est sur 43 859 pour le total. C'est lent. Ça me paraît très bien. Et au niveau cosmétique, vous voudrez faire des changements aussi ou on part là-dessus ? Ok, bon bah. Tout changer. Je fais déjà le moteur et vous me dites ? Ouais. Très bien. Donc les freins, le niveau 3. C'est fait. Hop, alors, tac. Ok, ça m'a l'air pas mal. Attendez, je vais faire juste un petit test. Ah oui, ouais. Non, c'est bon. Alors pour tout ce qui est du coup cosmétique, qu'est-ce que vous voudriez, j'imagine on commence par la peinture ? Qu'est-ce qu'on peut... Oui, on peut. Alors je vais vous dire, parce que des fois les noms qui sont sur mon catalogue sont pas exactement les mêmes que ce qui se passe vraiment. Hein, donc. Il me semble que c'est nuit sombre. Quelque chose comme ça, et blanc en secondaire. Voilà, ah oui, vous savez bien ce que vous voulez. Ah oui. On peut sur ce modèle, oui. Nuit sombre, ce serait celle-là. Ça vous va ? On a noir profond, noir métallisé, noir mat, noir anthracite, noir, graphite, carbone, acier fondu, ou pétrole. Et la nuit sombre, ce sera celui-là. Nuit sombre, c'est lui, et noir mat,
Noir mat, si vous voulez, moi c'est mon préféré personnellement. Après, je vais prendre le noir mat. Et bah, très bon goût, parfait. Je vous le note sur un petit bout. Tac, tac, tac. Très bien. En secondaire, il me semble que c'est nuit blanc polaire. Un truc comme ça. Ah. Alors, j'ai eu un problème de blanc tout. Ah, le plus blanc de. Ah oui, bah, ça se trouve. Voilà, il y a surtout un problème de peinture. Effectivement. J'ai pas validé. La noire. On avait dit mat. Hein. Oui, oui, oui. Très bien. Vous n'aviez pas validé la commande au fournisseur. Oui. Et pour le blanc, alors on peut vous proposer l'albâtre. Alors, je vois pas. Ah oui, oui, ça change les barres. Oui. L'albâtre, oui. Bon, le beige, j'imagine que non. Le blanc classique, le blanc mat. Le blanc polaire, en effet. Le blanc pur. Le coton. Blanc pur. Le crème. Blanc pur. Le neige. La vanille. Blanc pur, on est sûr? Ouais. Je trouvais aussi que l'albâtre faisait très blanc aussi. Hein. Vous voulez que je vous le remonte? Regardez. En vrai, moi je trouve qu'il est très blanc aussi. Hein. Ouais, mais le blanc pur est le plus blanc, je crois. Ouais, peut-être, vous avez raison. On part. Oula. À l'œil. On partirait sur celui-là du coup? Excellent. Très bien, je vous note ça. 118. Très bien. Et ce sera tout ce qu'on pourra faire au niveau de la peinture, par contre. Ouais, très bien. J'imagine un petit travail de jante. Un petit nacrage blanc sur le mat, c'est possible ou pas? Je vais vous voir ça tout de suite. Il y a de fortes chances que oui. Mais je sais pas si sur ce modèle on peut le proposer. Bah... Ah oui. On peut vous l'avoir. Excellent. Et alors, blanc pur ? En pur. Parfait, je vous le note aussi. Parfait. Ok, ça part. Très bien, alors ensuite, qu'est-ce qu'on ferait ? Qu'est-ce que vous pouvez changer ? Oh bah tout ce que vous voulez, les phares peut-être, les roues, les pneus... Ouais, les phares déjà. Les phares, très bien. Alors pour les phares, on peut juste vous proposer du néon pour l'instant, sinon il faudra passer par le kit RGB. Et on peut pas changer le modèle du phare ici? J'ai pas l'impression, alors peut-être que je peux voir... Attendez, je regarde juste rapidement. Vous savez, quand c'est pas possible, c'est toujours un peu possible. Hein. Alors non... Non, pour l'instant, j'ai vraiment pas l'impression. Hein. Ok, très bien. Mais par contre, je mettrai un kit RGB rouge. D'accord. Et ce sera tout pour les autres modifications. Le RGB, moi, je veux bien qu'on le fasse à la fin, si possible. Ça m'arrange au niveau du... Aucun problème. Donc on est bon pour les modifs? Pas de changement de roue, de pneus, de... Si. Tout ce qu'on peut changer, je veux voir. Ah, alors. Bah écoutez, je vais vous faire le tour, si vous voulez. Très bien. Alors tout d'abord, par ordre alphabétique... Tac, ça c'est pas disponible pour ce modèle. Je peux vous proposer des petits autocollants, ça j'imagine que c'est non. Vous aimez bien ces couleurs là? C'est... Après il y a des petites flammes, des trucs sympas. Celui d'avant? Tu l'as? Celui-ci. Et c'est vrai qu'il a pas mal de cachets. Hein. Celui-ci me plaît bien, il est discret, je vais prendre ça. Ok, alors je vous le note aussi. Je suis désolé, c'est un peu long la compta. Le patron m'a donné une toute petite tablette avec mes gros doigts, c'est pas évident. Donc on part sur celui-là, c'est sûr. Hein. Problème. Certain. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Il n'y a pas énormément d'options. Hein. Sur ce véhicule, on n'a pas grand-chose à vous proposer. On peut vous proposer... Écoutez, passez de l'autre côté du véhicule. Regardez à mon pied. Le petit carter, on peut le changer. Donc là actuellement, je vous montre celui que vous avez. Donc par défaut, sur ce modèle, c'est celui-là. Un peu disgracieux, on va pas se mentir. Nous, on peut vous proposer voilà, plusieurs types de design. On a aussi des couverts. Je dois en avoir un ici, par exemple, celui-là. Ce genre de choses. J'aime bien le côté... Le côté un peu... rough. Ouais, c'est ça. Je comprends, bah après on peut essayer de trouver juste une petite deux. En blanc me plaît bien aussi. Hein. Celle-là? Ça fait un rappel de blanc. Hein.
Ouais, c'est clair. Après, je peux vous voir. Il y a par exemple celui-là aussi qui est en couleur secondaire. On a plusieurs hein, qui rappellent la même couleur. Hein. On a celui-là aussi, si vous voulez. Ah, j'avais pas vu les autres. Ouais. J'en ai encore un autre, j'ai celui-là. Celui-là, bon, du coup, vous préférez voir la chaîne hein, qui tourne, c'est ça? Je sais pas quoi en penser. De toute façon, ils sont tous au même prix, donc vraiment, écoutez votre cœur. Après, on peut se dire que pour l'instant, on laisse celui d'usine et vous reviendrez plus tard si vous avez une idée. On va prendre visible. Visible, d'accord. Bah, vous m'aviez l'air de pas mal flasher sur celui-là. Celui-ci me plaisait bien. Un peu sobre en étant rustique avec la grille. Refaites voir les autres, s'il vous plaît. Alors, on part forcément sur le blanc, parce qu'on a on l'a tous en chromé aussi. Hein. Oui, le blanc. Alors on a celui-là, un peu flamme, voilà. Trop de Johnny Hallyday. Ouais, je comprends. Celui-là, que j'aime bien aussi, à vrai dire. Celui-ci me plaît bien aussi, ouais. Ok, on a celui-là qui rappelle des jantes. Ouais, ça me fait penser à une cassette, une vieille cassette. Eh oui, c'est bien vu ça. Les autres, après, je crois qu'ils sont tous couverts. Hein. Ouais, après, on est sur du couvert. Vous m'avez dit, du coup, celui-là ? Celui-ci, ouais. C'est vrai qu'il est bien aussi. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Moi, c'est Peter. C'est mon dernier mot, Peter. Merci. Très bien. C'est validé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous changer ? On peut vous changer les filtres à air. Alors, ce sera plus de l'autre côté du véhicule qu'on pourra voir ça. Vous pouvez voir au niveau de mon genou, cette petite pièce qui change. Alors, par défaut, vous avez celle-là sur l'usine. Ouais, j'aime bien celle-là. On peut vous proposer un peu. Il y a celle-là qui est tout aussi agressive d'ailleurs, hein, mais à vrai dire. Je veux bien. La plus agressive, je crois que ce sera soit celle-là. Ouais. Soit du coup, bah, celle d'usine. Hein. Celle d'usine, c'est vrai qu'elle est très agressive. Celle d'usine, ouais. Avec le filtre qui ressort, on va laisser. Ouais, je suis d'accord, c'est pas mal. Je peux changer aussi la couleur du moteur, je crois. Oh ! Ah, en blanc, il est pas mal. Alors là, on le met directement. Là, vous m'intéressez. Ah, d'accord. Ok, alors je vous mets ça, je le note avec mes gros doigts. Alors là, moi qui avais peur qu'on voit pas assez le blanc. Ah bah attendez, on est qu'au début. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre ? Ah, oui alors juste ouais, sous l'assise, on peut se faire un petit carter d'huile un peu plus rond, plus old school on va dire. Cash Carter, en fait. De base c'est comment ? De base c'est celui-là. Et en fait on peut le rendre apparent. Qui fait un peu plus old school, c'est comme vous voulez. Ça ferme moins la moto, j'aime bien. C'est vrai qu'elle fait plus ouverte, ouais, carrément. Ouais, je vais prendre. On part sur celui-là ? Très bien, alors les gros doigts. Mais enfin. 669. Mais ça va pas ? Tout va bien. Si, je regardais derrière moi. Oui, non, mais justement. Ce qui vient de plaquer Mme Zoé, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas si étonnant que ça. Regardez le garde-boue arrière. J'en ai plusieurs à vous proposer. Alors celui-là, c'est celui d'usine. Ouais, celui-ci, je pense. On peut vous proposer celui-là ou celui-là. C'est vrai que le premier est très bien. Ouais, je suis d'accord. Faites voir le court. Le court, celui-là ? Je vais être très honnête, je préfère celui que vous avez d'usine. Ouais. Il a quand même un certain charisme. Ouais, c'est vrai. Laissez-le. Ok. Et pour l'avant, du coup... Pour l'avant, ce sera assez similaire, hein, globalement. Ouais, laissez en pique. Très bien. Ah. Partie très importante, les pots d'échappement. Ah, ça. Alors, on peut vous proposer ceux-là. Ah, ceux-là, ils sont agressifs, ça, y a pas de doute. Ah ouais. Ceux-là. Non. Oh, un peu trop rustique. Ou ceux-là. Ouh. Vous aimez bien comme ça, un petit ? Accélérer un peu pour voir. Alors. Et avec les autres Alors, avec les autres, ça nous donnerait plus... avec ceux-là, j'imagine ? Ouais. Le plus court. Le plus court ? Ok. Ouais, clairement. Les autres cachent la barre en plus, cachent le cadre. J'ai l'impression. Ah oui, si, vous avez raison. 921. Je crois que j'ai fait une dingue. Mais c'est pas grave.
Ah. Pardon. Oui, tout va bien. Je suis désolée. Mais faut pas être tendu comme ça. Mais faut pas arriver comme ça, surtout. C'est vrai. On l'a entendu quand même. Oui, moi je les ai bien entendus. Je suis à fond sur ma moto. Je suis désolée. Non mais pas de problème. Oui, tout va bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein. Et vous, tout va bien, madame la docteure? Vous étiez à terre il y a deux secondes. Ça va? Mais il me fatigue là-bas. D'accord. Mais d'accord. J'ai juste vu, j'ai entendu un bruit. Oui, bah c'était, oui, c'était moi sûrement. Bah, mais non, j'ai vu monsieur Boris vous faire un plaquage. Ah oui, oui. J'ai pas compris. Bon, vous voulez qu'on continue rapidement? Ouais. Au niveau du réservoir du coup qui est juste devant moi, je peux vous proposer différents modèles. Du coup, je vous les fais défiler. S'il y en a un qui vous plaît, vous me dites. Globalement, ils seront tous assez similaires, je pense. Hein. S'il y a des petites modifications. Ouais. Celui d'usine, c'est celui-là. Je vais vous proposer. Ouais. Une forme un peu plus aérodynamique, peut-être. Celui-ci est plus grosse. Ouais, plus gros, j'aime bien. Il y en avait un en forme de goutte. Celui en forme de goutte, celui-là? Parce que celui-là, c'est celui que vous avez d'usine. Ouais, c'était celui d'avant alors. Celui-là? Non, l'avant-dernier, je dirais. Oh non. Bah c'est tout ce que j'ai, hein. C'était lequel, le gros, là? Le gros... Celui-là est assez massif quand même, hein. C'est Tourcoing? Ouais. Et il y en avait un plus rectangulaire un peu. Ouais, le plus angulaire, ouais. Celui-là? Celui-là, j'aime bien. Le commandant. Vous voulez qu'on regarde un peu les autres quand même? On va prendre celui-ci. Celui-là, d'accord. Commandant? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le garagiste? Moi, j'avoue que je pense que ça. Ils se valent un peu tous, hein. C'est au goût de chacun. C'est vrai que j'aime bien celui-là aussi, ouais. Ouais, il a rempli massif. On est sûr qu'on part sur lui? On part sur lui. Allez. Eh ben écoutez, pour ce qui est de la carrosserie, c'est à peu près tout ce que je peux vous faire. Je regarde un peu ce qui est disponible sur votre véhicule. Alors apparemment, je peux changer les fenêtres. Je suis pas exactement sûr. Non, essayez pas. Vous êtes sûr, hein? Oui. Intérieur. Ah, on peut changer les klaxons aussi. On peut partir là-dessus. Ah oui. Malheureusement, je pourrais pas vous les faire essayer. Dire qu'on est obligé de les acheter pour les essayer, je crois. Quoique, laissez-moi essayer un truc. Il me semble pas. Ah si, c'est bon. Ouais. Hein. Ah, on les fait tous? Vous avez une idée? Ouais. Allez. Non mais je klaxonne jamais, de toute façon je fais des doigts d'honneur donc on s'en fout du klaxon. Bah après s'il est un peu rigolo. Moi je peux proposer ça par exemple. Alors c'est pas le but d'avoir un klaxon rigolo. Ah vous voulez un truc intimidant? On peut trouver ça, hein. Ça c'est super badass, hein. Moi je trouve ça fait flipper ça, hein. Ah moi je... Camion, vous pouvez mettre un klaxon de camion dessus? Ah je vais te trouver ça. Mais j'aimais bien ça. Celui-là, moi c'est mon préféré. Vous savez que c'est un de ceux qu'on vend le plus, hein. Il fait fureur. Hein. Pas à moi. Celui-là? Oh, ça c'est bien. Oui, c'est parfait. Est-ce que j'ai l'air d'un clown, monsieur Peter? Monsieur Tourcoing, prenez. Alors non. Voilà. Là, c'est totalement du manque de respect. Ça, c'est très bien. C'est pour la police, ouais, mais c'est très bien. Vous voulez celui-là? Ouais, c'est celui de la police. Mettez. Bon. Alors attendez, faut que je le retrouve. Vous auriez pas dû lui dire ça, il va le prendre. Ah oui. Bah justement. C'est pour ça qu'on les aime. Excellent, mettez. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Ça, parfait. Ça. Alors attention, les gros doigts. Les joueurs, on ne voit pas un mur. Attention, les gros doigts. Oui, c'est parce que... Oui, fallait être là tout à l'heure, c'est long. Non, c'est parce que la tablette est trop petite pour ses doigts. Ah. C'est comme les enfants. Alors ça, c'était du H, d'un certain présentateur TV1. Moi, je dis... Monsieur...
Monsieur l'avocat garagiste, ou je sais pas comment vous appelez ça. Avocat garagiste. Ah, okay. Vous avez changé les pneus de la moto ? Pas encore, on y vient. Le pot de la moto, pardon. Non, mais, le pot, oui. Ça prend déjà oui. suffisamment de temps. Bien ah bah écoutez, c'est monsieur Nathan qui m'a dit on prend tout. Mais faut pas qu'il... Voilà. Hein ? Qu'est-ce vous avez qu'il y a, dit quoi qu'il y a. C'est mon patient, Dame Zoé. Hein. Oui, on va se calmer. Soyez voilà. patient, justement. Soyez patient. Ah, mais c'est parce que je prends trop de temps ? Non, non. C'est ma faute. Elle a dit, tu prends trop de place. C'est pas vrai. Il fallait arriver les premiers. Ouais. C'est vrai qu'il a prévenu que ce serait le premier servi, après... Mais pas de soucis, hein. Tu te baisses bizarrement, monsieur Nathan, quand tu croises deux bras. Bon, on peut peut-être passer aux roues. En posture. Oui. Attends. Oui. Alors, pour les jantes, on a plusieurs catégories. Est-ce que vous auriez déjà une idée ? Il me semble que... on peut... Alors, en principe, on peut changer que sur celle de l'avant, donc les jantes m'intéressent peu. Ah. Effectivement. Oui, voilà. Oubliez les jantes. Par contre, est-ce qu'on a d'autres types de pneus ? Je dois avoir ça. C'est normal que la boîte de... Non, j'ai pas l'impression. Tomber, là, comme ça, sans pression. Oui, 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 non, oui, c'est qu'on l'arrange comme ça, vous inquiétez pas. Il y a pas de risque. Non, bah, tu fais ça à côté, s'il vous plaît. C'est bête. Hein ? Il a dit, il y a pas de risque. Ok, bah voilà. Madame Wilson, elle est fanée. Si la bonbonne pète. Non, bah écoutez, on a fait le tour et je pourrais pas changer les pneus malheureusement. Ok, d'accord. Est-ce que vous voulez qu'on passe au RGB ? Allons-y. Je regarde si j'en ai sur moi. Évidemment, j'en ai pas sur moi. Je vais aller en chercher rapidement, j'arrive. Non, mais occupez-vous de ces messieurs dames, je repasserai pour le RGB, vous en faites pas. D'accord, bah vous voulez que je vous facture tout de suite alors ? Non, monsieur. Est-ce que vous pouvez me faire la note, me donner la note totale et il faut que j'aille mettre sur mon compte en banque ? Oui, ok, bah je vous fais la facture et vous la paierez dans la soirée. Vous m'envoyez un petit message avant ? Je reviens directement après. D'accord, ok. C'est la banque qui est juste à côté ? Oui, mais c'est vrai qu'elle est pas dans le coffre pour mettre à la banque. Ah. En fait, depuis un moment, au bistrot, je prends plus mes primes et quand j'ai besoin de faire un truc comme ça, et ben ça fait plusieurs semaines que j'ai pas été payé. Excusez-moi, je peux vous demander de vous écarter de monsieur Nathan au cas où ? Ouais, oui, bien sûr. On n'est jamais trop prudent, hein. 645. C'est vrai. Et voilà. On est bon. 50 145. Parfait. Et ben exactement. Vous me permettez de prendre mon véhicule quand même ? Bien sûr, allez-y. Parfait. De toute façon, la facture est lancée, oui. Bien sûr. Très bien. Et ben je reviens pour prendre le TPE. Ça marche. Je vais mettre mon casque parce que tout à l'heure ils m'ont récupéré avec un trauma crânien. Ah oui oui, faut faire attention à ça. Hein. Hop. Je vais ramasser. Alors je suis à vous, à qui le tour ? C'est à moi. Ok. Eh hey, je suis arrivé avant toi. C'est à moi. Bah oui, mais sauf que. Je suis arrivé monsieur... avant eux. Non, c'est monsieur m'a dégommé la voiture. Oui. Ah oui, c'est vrai. Bah, à la limite, les réparations, ça, je peux vous les faire en premier. Si je peux me permettre. Moi aussi, il y a de la répa et de la. Oui, mais c'est moi qui ai abîmé la voiture de monsieur, donc c'est. J'étais là avant lui, il attendra. Au pire, vous faites à la Deli Delo. Oui, c'est bon. Vous connaissez à la Deli Delo ? C'est simple, vous mettez tous votre doigt droit devant vous. On dit tous à la Deli Delo. Vous avez trois choix. Soit vous gardez votre doigt au milieu, soit vous le levez très haut en l'air, soit vous le baissez très bas en bas. Si jamais il y en a un qui est tout seul, il est hors de l'équation. Ok. D'accord. Voilà, vous avez compris ? À la Deli Delo. Delo. Ah, bon alors là du coup personne n'est tout seul, hein. Donc on refait, c'est pas grave. À la Deli Delo. Delo. Ah, il me semble que monsieur White est seul à être au milieu. Hein. Allez, monsieur White. Non mais qu'est-ce très bien. De toute façon, je sais pas pourquoi je joue, moi, d'ailleurs. Bon, de toute façon, je crois que la télé d'Elo va être un peu obsolète, là. Et on a un petit problème. Bon, oui, alors dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, déjà, une petite réparation. Ok. Qu'une bosse, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme réparation ? Il y a juste la vitre ? L'avant est défoncé, hein. Tu sais pas conduire, alors ? Bah, j'ai peut-être rien. Ah. Le problème, c'est que moi, j'ai... vous allez rire, mais j'ai une vue pas ouf. Ouais. Si jamais vous pouvez être honnête avec moi, pour une fois, oui. Et me donner... Ah, d'ailleurs, j'ai payé mes factures, vous êtes au courant ? Oui, Alex Mathis, je suis fier de vous. Je suis super content. Bon, plus que l'appart, c'est bon. Alors, c'est quoi les dégâts, exactement, là ? Ah bah, c'est... Alors...
On a le bah, tout le pare-choc avant, hein. La plaque est tordue. D'accord, donc on est sur des dégâts assez lourds quand même. Oh, assez lourds, je dirais pas ça. Pardon, je suis désolé. Allez, Speedy. Je suis désolé. Vous voyez, attendez, pardon. Ah, mais il y a mon sang par terre. Je suis vraiment désolé. Vous voulez un coton, Gasteux, t'as un coton? Non, mais attends, je suis là. Ah, j'arrive pas. Faudrait pas que ça sache, ça. Un avocat qui frappe une femme comme ça. Mais non, mais vous savez... C'est con que ça s'apprenne. Oui. Vous voyez, monsieur Boris, je vous avais dit. Ouais. C'est le genre de truc qui m'arrive. Oui, du coup, il y a les deux phares, la circulation devant et la plaque. C'est bon, monsieur Walt. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oui, vous en avez ? Alors, quel enfer. Phare cassé, 2. Dégâts. Les pneus sont en bon état ? Les pneus, oui, sont bien. D'accord, on a une vitre cassée quand même à l'avant. Ça, je vais être obligé de la noter, hein, malheureusement. Ouais, pas de soucis. Les portières, ça a l'air d'aller. Vous avez des dégâts sur les côtés ? Bah, j'ai pas l'impression, non. Non, je crois pas non plus. Non, non, c'est juste l'avant. Bah écoutez, bon, je pense que je vais vous... De toute façon, vous m'avez sauvé la vie assez, d'assez nombreuses fois. Ça ira pour 110$ pour la réparation, ce sera bon, je pense. Par contre, pour les modifs, vous voulez faire oui, quoi? Oui, mais bien sûr. Alors, la modif, on va... normalement, elle est full, sauf le turbo, donc on va mettre le turbo. Ok, bah attendez, je peux me permettre de rentrer? Oui, je vous en prie. Bon, je crois que je fais la limite. La limite, si vous voulez, je peux vous confirmer. Hein. Alors... Ça a été fait. Au niveau des freins, on est bon? Alors. Ouais. Transmutateur aussi. À la suspension, vous avez pas de suspension, hein. Non, mais je compte pas faire du tout terrain avec, donc ça me dérange. D'accord. Donc on part sur le turbo, c'est sûr ? Oui, on part sur le turbo. Très bien. J'ai la peinture aussi. Ok. Non, mais arrêtez de mettre des choses dans mon coffre. Quoi ? Ok. Je vais peut-être la réparer avant de faire les autres modifications quand même, hein, parce que... Donc pas de dégâts au moteur, vous m'avez dit. Hein. Ça va déjà mieux. Ah oui. Réparer. Non, le moteur va bien. Bon bah ça ira, alors ça devrait pas être trop compliqué à réparer. Niveau cosmétique, du coup, ce serait juste la peinture ? Ouais. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez ? Je me disais, on peut se tutoyer. Oh, bah. Y a peu de monde qui me tutoie, c'est bizarre. Mais... D'accord. C'est que je me disais, je viens tellement souvent à l'hôpital, on est quasiment colocataire, quoi, donc... Oui, mais justement, vous êtes impatient. Non, ça va, je peux attendre. Bah, c'est bien ce que je dis. Oui, donc je voudrais une sorte de... Si vous avez un bleu foncé métallisé, ce serait chouette. Chouette. Pardon, le klaxon fonctionne bien. Ah oh oui, j'ai vu ça. Je le teste régulièrement. Un bleu foncé métallisé, bah écoutez, je vous les montre, vous me dites s'il y en a un qui vous plaît plus qu'un autre. On a le bleu foncé, juste ici. Ah, ça c'est pas mal. Ah ça, vous aimez bien ça ? Alors la couleur est pas mal, le problème c'est que le capot et le toit sont pas... De la... Ah oui, ça sera du coup la couleur secondaire malheureusement, je pense. Hein. Sur ce modèle, je pense qu'il faut... Ah, celui-là est bien aussi. Hein. Non, il est trop clair. Ah, ah celui-là, il s'appelle Bleu Interdit, donc malheureusement, je pourrais pas vous le vendre, ce modèle-là. Pas. Vous êtes sûr ? Certaine. Je vais être obligé de prévenir la police. Hein. Mais je vous en prie, il est complètement interdit, ce bleu. Il y avait un lieutenant juste pas loin, ils doivent être dehors. Si vous voulez, je l'appelle. Non, mais ça ira, c'était une boutade. Donc on est sûr que celui-là... Je peux vous montrer les autres quand même si vous voulez ? Ouais, éventuellement. Oh, alors celui-là il est foncé. Remettez l'autre pour voir. Ah non, moi je préfère celui-là. Ah ouais. Donc Moi je préfère le bleu interdit. Ouais, c'est vraiment juste le nom en fait, hein, qui vend tout. Je vous avoue que ça finit de me convaincre. Bah, l'autre s'appelle Bleu Minuit. Hein. Regardez quelle heure il est. Ah, minuit 22. Oh là là, je me lève dans pas très longtemps. Aïe aïe aïe. Non, donc on part sur le bleu interdit ? On part sur le bleu interdit. Merci beaucoup, monsieur Nathan.
Mais avec plaisir, merci à vous monsieur, elle est géniale. Et attends, tu restes dans le coin parce qu'il faut quand même que je te parle après. Ou à la limite, je pourrais demander tes coordonnées à quelqu'un et... Madame Zoé. Oui. Ok, ça marche. Merci. Bonne soirée. Ça marche, des bisous. Donc on part sur celui-là, c'est sûr. Ouais, on part sur celui-là. Très bien. Et du coup, pour la secondaire, la même... Oh bah oui, sinon ça va jurer. Hein. C'est vrai, bah quoique... Et on peut peut-être trouver les... Ouais, non, c'est vrai que... Ouais. Non, okay. Là, y a pas à dire. Hein. Ouais, non, ça rend bien au final. C'est vrai qu'au début, je vais être très honnête, je trouvais ça un peu moche. C'est vrai. Mais là, je suis convaincu. Non, elle rend bien. On va peut-être mettre des phares xénon aussi. Ok. Pour les phares... Pas d'effet nacré sur la peinture, on est d'accord? Je sais pas. Bon, écoutez, je vous montre ce que ça donne. Ouais. Alors le nacré, il est disponible dans toutes les couleurs, hein, donc okay. Si je vous le mets en blanc, par exemple, on a plein de teintes de blanc. Ça donne un côté un peu plus brillant, c'est vous qui voyez. Ouais. Du chromé, par exemple. Ok, bon, si jamais vous avez besoin d'un peu de paillettes dans votre vie... Pas de soucis. C'est le nacré. Très bien. Niveau des phares, je sais pas trop ce que je peux faire sur ce modèle. Non, vous avez déjà des phares néons, après, faudra passer par le kit RGB, hein. Et la plaque, on peut la mettre en noir? On doit pouvoir. Est-ce que là le blanc ça jure un peu? Ah non, malheureusement la plaque carrière je vais pas pouvoir la changer, non, pas sur ce modèle. Ah dommage. Bon, tant pis. Attendez. Il y a moyen. Ah si. Alors j'ai du jaune sur fond noir. Ah attendez. Jaune sur fond bleu. Non, sur noir c'est mieux. Ok, on a que jaune par contre, hein, sur fond noir. C'est pas de soucis, c'est très bien. C'est vrai que ça rend, c'est bien. Très bien. C'est très bien. J'ai ça sur certaines de mes motos, c'est très bien. Eh bien écoutez, c'est parfait. Très bien, bah merci bien. On est sûr que pas d'autre chose des jantes, des vitres peut-être. On peut les... On doit pouvoir les... On peut pas les faire plus foncés? Bah, dites-moi, mais je suis pas sûr. Je vais regarder. Ah. 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 Je me disais bien qu'on pouvait faire plus foncé. Alors, attendez, parce que je... Oui. Ouais, si, allez-y. Ok. Et niveau jante, oui, pourquoi pas. Alors, niveau jante, que je retrouve ça sur ma petite tablette. Vous avez une idée de la gamme? Pas du tout. Par exemple, on a par exemple les... J'avais que des motos avant, donc... Ah, d'accord. Ok, bah en gros, on peut proposer tout ce qui est lowrider, hein. Donc ça va être des classiques... Non. Vous êtes sûr que pas de petites dollars? Non, pas le dollar. Ok. On a tout ce qui est muscle, hein, pour les grosses voitures bien puissantes. Voilà. Ouais, ok. Bon, globalement, on reste dans les mêmes gammes. On a les jantes SUV qui sont des jantes plutôt citadines, on va dire. Quoi qu'il y en a, en vrai, que j'aime beaucoup. Qui ressemble un peu à celle que j'avais, non? Je sais plus quel modèle vous aviez d'usine, je vais pas vous mentir. Je sais plus. Voilà, on a les jantes sport. Ça, les jantes sport, c'est quand même des gros classiques, on nous les demande souvent. Ouais. C'est surtout le renfoncement en fait au niveau de l'enjoliveur qui rend bien. Les jantes tout terrain, assez classiques, en général des grosses roues, hein, voilà. Ouais. Et les jantes tuning, donc là on est sur des jantes un peu plus petites, mais on a des effets un peu plus cool. Bon, pour l'instant on est sur du classique. Oh là là, ça titube derrière. Oh là oui. Qu'est-ce qu'ils ont foutu encore? Oh bah je pense qu'ils ont en sport, vu. Alors qu'est-ce qu'on peut vous avez une idée plutôt des rayons assez fins, assez larges? Poussez-vous, je vois rien. Pas des gros rayons comme ça, plutôt des étoiles plus fines. Chose comme ça. Faut que je me déplace. Parce celles-là, elles vont vachement bien, je trouve. Pas trop. Des trucs comme ça? Non mais... Ah, celles-là sont pas mal. Attendez, je passe de l'autre côté. Oui, on voit super bien de l'autre côté. Hein. C'est bon. Celle-là, c'est pas mal. Pas été on part sur celle-là, très bien. Non mais descendez de ma voiture. Je sais pas pourquoi il veut monter sur votre voiture. Oui, bon, allez faire un tour dehors, ça me fera du bien. Si jamais il l'abîme, je la réparerai, y a pas de problème. On peut changer la couleur des jantes d'ailleurs si elle vous va pas complètement. Ouais, vous pouvez mettre quoi?
Eh bien, on a un peu toutes les gammes. On peut essayer de trouver du bleu, peut-être. Hein. Après, je sais pas ce que ça rendra sur de la jante, mais... On peut essayer, faut voir. Ah. J'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Non, moi non plus. Non, bah peut-être que sur ce modèle-là, c'est pas disponible, malheureusement. Elles sont très bien comme ça. Tu pourras me soigner la main après ? Oui. Merci. Au niveau de l'intérieur, vous êtes satisfaite ? Oui, très bien. Ah, ouais, attends, bouge pas. Il a pris sa droite. Attends. Merci. Pourquoi il a pris une droite ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'ai juste un affaire. Ah, je suis dans la même chose. Ça va, Eddie ? Attends. Monsieur Thompson, comment allez-vous ? C'est Edouard. Oui. Ça va, et vous ? Ça va bien. Tu es parti un petit peu en voyage d'affaires là ? Y a pas de soucis. Et vous avez fait beaucoup d'affaires ? Ah oui, là, j'ai fait pas mal d'affaires là, c'est cool. Bah parfait, faudra qu'on discute alors. Oula. Je te promets que si à la fin de la soirée, on va pas récupérer. Vous allez me dire que j'ai quelque chose dans ma tête que j'ai plus. Non, vous inquiétez pas. J'ai pas entendu. T'inquiète, je t'explique après. Ok. Non, mais faudra qu'on discute. Mais y'a quoi là, c'est Jupiter? Non, une soirée dans mon garage. On est sûr. Oui, non, on change. D'accord. On reste bon, de toute façon, on est bon pour tout là. Parfait. Klaxon. Allez. Noël. Attendez, le mec bourré là, c'est Jack White? Non, c'est pas. Oui, c'est complètement lui. C'est mon avocat. Comment ça, c'est ton avocat? Eddie? Je l'avais pas connu. On pourrait peut-être changer de. Moi, c'est Edouard. Oui. On peut peut-être changer d'avocat quand même. Oui, on peut changer, et je pense que vu son état, je vais sûrement changer. Ah bah oui. Ah bon, il y en a un, jure. Ah bah non. Ouais, il y a un autre. C'est même mécanicien. Non. Alors à ce niveau-là, vous avez deux pour le prix. Eh, pas mal. Mais comme ça, si t'as un problème de voiture, Eddie, je pourrais te... Eh oui. Mon garagiste. Ah, vraiment, c'est wow. Idéal. Voilà. Du coup, on est sur un total dans les 20 000. Pour rire, c'est ça ? Pas de soucis. Oui. Mais on pourra aller les chercher tous les deux. Ça en est où de ça ? Oui, c'est vrai que toutes les voitures sont à la fourrière, j'espère qu'il n'a pas trop gueulé. Attendez, monsieur Edouard, il faut que je vous voie. C'est bon. C'est bon. Ah, pour une fois que c'est moi qui facture, let's go. Oubliez pas votre voiture, madame Zoé. Oui. Bah, à la fourrière, si vous. Allez-y, on y va. Je viens. J'ai soif. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils branlent tous ? Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ? Pardon ? Qu'est-ce que vous faites ? Bon, regarde, la vue est belle d'ici. D'accord, oui, c'est vrai. D'accord. Je me suis dit, ce serait peut-être bien de prévenir avant de monter sur le toit du garage quand même. Enfin, je sais pas, mais peut-être que le patron sera pas trop content. Après, là, il est parti, donc ça va, mais ouais. Oui. Oui. Le tutoiement, j'accepte, le bisou en partant. Ah, vous ouais, mais c'est... Match, monsieur Peter. C'est une habitude que j'ai, je dis ça à tout ouais. Le monde. C'est pas. Pas de. Oula. Le plus proche qu'on trouvera d'un bisou avec moi, à la limite, c'est que vous m'avez énervé et que mon front s'est collé violemment contre le vôtre. Ah oui, non, ça non. Non, mais c'est juste une façon de parler, hein. Après, si vraiment ça vous dérange, je peux essayer de pas vous le dire, mais je garantis pas. C'est. Tant qu'à la limite, on peut partir sur un accord de. Moi, j'essaye de pas le dire. Mais toi, du coup, t'essayes de pas me frapper si jamais je le dis. Ah, mais je fais jamais ça gratuitement. Hein. C'était un exemple de. Oui, mais si par exemple. On pourrait le plus se rapprocher du bisou. Mais si je te dis bisou, c'est pas gratuit si tu me tapes après. Puisque je t'aurais dit bisou. Je vous rappellerai le. Ce que je vous avais dit, mais pas violemment. C'est ah oui, un rappel. Se peut. Un coup de pression. C'est... Un coup de pression, comme avec le lieutenant. Pression, ce sont des mots, c'est des mots qui sont pas méchants. Mais tant okay. Que ça se peut, les familiarités, j'évite. Ok, d'accord. Bon, d'accord. Le cœur après, si je dois. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de trucs. Comment ça, si tu dois quoi ?
C'était quoi ce bruit? Je sais pas, sûrement les autres qui ont fait n'importe quoi en bas. Est-ce qu'il y a ma moto en bas? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est Eddie qui ramène les véhicules, c'est bon. Non, parce que j'ai eu un petit problème tout à l'heure, j'avais sorti tous les véhicules pour faire joli et je suis parti faire une course et quand je suis revenu, tout était à la fourrière. Donc ils ramènent les véhicules. Ça, c'est... Ouais, c'est pas mal pour un premier jour, non? Non, je disais, évitons les familiarités comme ça. Oui, oui, oui. J'ai moins de mal après si je dois... Si je dois remettre les choses à leur place. C'est-à-dire? Bon, c'est... ça risque pas d'être écoute... tant que tout est correct entre nous. Écoute, Nathan, il fallait que je vienne te voir. Tu sais, la dernière fois qu'on s'était vu, et la seule fois qu'on s'est vu d'ailleurs, c'était à ton bar. Oui. Je sais pas si tu te souviens. J'étais en tenue civile avec le costume et tout. Oui. Même tu m'avais dit que je ressemblais à Monsieur White. Bon, bref, peu importe. Tu t'avais parlé de justice, voilà. Et t'avais dit, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire, mais ça m'a beaucoup inspiré pour devenir avocat. Du coup, j'aimerais quand même savoir ce que tu voulais dire par la justice. Ce que j'entends par là, c'est que la justice en ville passe tout par le LSPD. Et c'est pas normal. Le LSPD est censé faire respecter la loi, mais n'est en aucun cas garante de la justice. À partir de là, c'est un problème. C'est une question de séparation entre... La justice et l'État. C'est... Comme le grand schisme. Entre les pouvoirs. Mais du coup, qu'est-ce que tu proposerais? Tu voudrais une autre institution? Je proposerais qu'il y ait une vraie justice, des vrais juges, des... Là, la dernière fois que j'ai eu une affaire comme ça, c'est le gouverneur paix à son âme qui est venu spécialement faire le juge. Une justice normale, on a des avocats, on devrait avoir un juge. Ah! Même s'il n'est pas souvent en ville. Et tu penses qu'en tant qu'avocat, je pourrais être promu juge? Parce que s'il faut un juge, moi je suis chaud. Hein. C'est vrai que moi je préférerais défendre. Limite le petit White, vu que lui il est que avocat, serait peut-être lui le mieux. C'est très bien. Il y a souvent deux parties dans des conflits. Donc deux avocats en ville, c'est très bien. Ouais, mais Jackie et moi, on est collègues. On est du même parti. Enfin, sauf si vraiment il y a besoin. Il y a toujours l'attaque et la défense. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle là. Si, exactement. Il faut un avocat pour chaque. Non, mais je pense... Oui, mais justement, comme tu l'as dit, ici, l'attaque, ce sera toujours le LSPD, en fait. Sauf... Pas du tout. Sauf s'il y a plainte contre le LSPD, et dans ce cas-là, oui. Mais non, du tout, ça peut être quelqu'un... tue mon chien en roulant dessus. Oui. Je dépose plainte et il y a jugement. Oui. Voilà, et ce sera pas forcément la LSPD. Ce que je veux dire, c'est que ça peut très bien être un juge embauché dans une autre ville et qui vient uniquement pour les jugements. Ça peut se faire aussi, mais on a un juge en ville, c'est tout. Ouais, c'est vrai que ça se tient à quelqu'un qui serait un peu impartial, c'est ça? Pas forcément en lien avec tout ça, quoi. Tout à fait. Ouais, ça se tient, écoute. Bah, j'avoue que ça me dépasse un peu tout ça, mais si jamais, toi, personnellement, t'as besoin d'un avocat ou si tu connais quelqu'un qui a besoin de mes services, moi, je suis grave chaud. Parce que j'ai fait des petits entraînements avec Gasteux et ça s'est super bien passé. Par contre, j'ai pas encore fait de vraies affaires, mais l'affaire fictive qu'on avait faite, je l'ai super bien résolue. Mais je garde quand même l'idée d'une... Oui, oui, bah après c'était rien de fou, ça, c'était possession de drogue, délit de fuite, outrage à Jean, enfin, voilà quoi. Oui, la routine. Non, c'est quand même un dangereux criminel, mais au final, j'ai réussi à faire croire qu'il était innocent et ça s'est bien passé. Tu fumes ? Non, je mange chinois. Ah, ok, non, parce que ça ressemblait à une cigarette un peu. Non, parce que j'ai essayé de fumer, moi, un peu. Mais j'ai réussi enfin à commencer. J'ai eu le temps de fumer, genre, deux clopes, et je suis allé au LSMC, ils m'ont tous dit non, et tout. Du coup, j'arrête. Mais c'est vrai que c'est un peu dur, ouais. Voilà. Ah, ça a jamais tué personne. C'est vrai que je connais personne qui est mort de ça. Voilà. Ouais, peut-être. Ouais. C'est pas ce que tu dis. Comment on descend de ça? Ouais, me pousse. D'accord, vas-y. Attention, je rigole.
Mais ça va, c'est facile. Ouais, faut vraiment y aller tout doux. A ton avis, si on saute d'ici, on se fait mal comment? Oh bah tu peux... On a la réponse? Appelez les secours, monsieur White, appelez les secours! Qu'est-ce qui se passe? Oh là, mais. Oh là là! Appelez les secours! Attends, mais ils sont pas juste là? Les EMS. Madame Zoé, Madame Zoé! Madame Zoé! Madame Zoé, il y a une urgence? Il y a une urgence médicale juste ici? Attendez. Un 5000. Eh ben, ce serait parfait. Bah Nathan, j'ai prévenu Zoé, elle m'a dit attends. Mais non, mais attends pas, elle est... Mais il y a... Du tout, il est mort là, enfin il est en train de mourir, faut qu'elle vienne. J'ai des kits de réparation. Non mais va... Je vais la chercher, je vais la chercher. Putain Boris, t'inquiète, elle va venir. Oui, pas de soucis. Parfait. Vraiment désolé, hein, c'est que Boris est en train de mourir quoi. Mais bien sûr, pour de vrai. Attends, c'est urgent. Boris. Bah il va pas vous... ça va être compliqué, quoi. Ça fait longtemps qu'il est là, à mon avis. Hein. Ah oui, il commence à se décomposer un peu, non? Ah non, c'est son visage normal. Ah, voilà. Putain, Boris. Et pourquoi sa valise n'a pas envoyé de message? Mais j'en ai aucune idée, moi. Ah bah ça... Elle s'est peut-être cassée dans la chute. Peut-être. Quelqu'un m'amène à l'hôpital? Ah, si vous voulez, on a plein de voitures de location pour pas cher. Hein. Ça va aller. Tu veux une voiture peut-être plutôt que la moto? Je sais pas si on peut le mettre dans le coffre. Je sais pas. À la limite, on tente de le mettre sur une remorque. Vous avez un véhicule, lieutenant? Ouais, j'ai mon véhicule personnel. Bah, on l'emmène aux EMS, ça va mettre trop okay, de temps. Ok, bah, venez. Alors, Peter. Ah, salut. Bon, désolé pour l'interruption avec Zoé, mais là, il y avait une urgence, donc... Oh, pas de soucis. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner à la fourrière? Et puis, j'ai vu que tu m'as envoyé un petit mail, si tu veux m'en raconter... Ouais. Des petits problèmes ou quoi. Bah, en vrai, j'ai pas eu trop de problèmes, je pense. Ouais. Faudra juste, du coup, qu'on parle de... Le roux. Ouais, on revient plus tard, il y a Boris qui est tombé du toit, là, on l'emmène dans la maison. Pas de soucis. Eh, vous me tiendrez au courant? Oh là là. Il est dangereux, lui. Ouais. Ouais, par contre, on va aller le calmer tout de suite. Ouais, je vous prierai... C'est super dangereux ce que vous venez de faire quand même. C'est super dangereux ce que vous faites. Ouais, là, si vous voulez pas qu'on prévienne la police, je vous prierai de vous calmer s'il vous plaît. Non, mais ça ira, mais oui. Mais fais attention quand même, Jackie, parce que là c'était chaud. Et les ambulances vont arriver normalement. Je sais pas si vous êtes en état de conduire, monsieur. Si, je suis totalement en état de conduire. D'accord. C'est gentil de vous inquiéter, monsieur Thompson. Article 34, c'est quoi? Qu'une idée. Moi non plus. Très bien. Bien répondu. Allez. Non, faut pas être étonné devant tant de professionnalisme. Je sais pourquoi j'ai fait de la cellule alors. Mais non, mais c'est notre petite blague en tant qu'avocat. On dit tout le temps ça pour déconner, mais on le connaît, évidemment qu'on le connaît. Article 34, c'est interdiction de posséder des biens publics sur la voie d'urgence. Des panneuses, on va y aller avec le camion. T'as passé ton permis poids lourd? Non. Ok. J'ai pas eu le temps. Ok. Tu prendras la dépanneuse une fois arrivé, et puis tu remorqueras soit le van, soit le sam van. Ok. Ouais, je suis désolé. En fait, je les avais tous sortis pour faire joli, là, comme la dernière fois quand j'étais venu. Si, je comprends. Et j'ai juste parti faire des kits, et quand je suis revenu pour les... Ah, mais ça, c'est... Je crois quand on s'éloigne trop la fourrière, ils sont vifs et ils passent. Et bah, tu sais quoi, tout à l'heure, j'ai garé ma voiture, j'étais interviewé... Ah, j'ai été interviewé par Weasel News! Je vais faire la une des journaux. Bref, j'étais là-bas, je sors le camion. Vas-y. C'est fermé. C'est bon. Du coup, je me garde devant Weasel News avec ma voiture. Et le temps de faire l'interview... On arrive tout de suite, messieurs, on arrive tout de suite. On arrive. Le temps de faire l'interview, la voiture a été prise par la fourrière alors que j'ai pas bougé loin. Donc j'ai pas trop compris. Ah ouais, bah, je sais pas. Bizarre. Enfin bref, ouais, du coup, désolé pour toutes les voitures. Non, mais pas de soucis. Hein. Bon, et non, sinon pour... en fait, pour aujourd'hui, tout s'est bien passé. C'était quel jour que ça te l'a fait?
parce que... Là c'était aujourd'hui, tout à l'heure. Ah ok, donc ça va alors. Parce que si t'avais pas le van, pour faire des kits ça aurait été la galère. Ouais, non, c'est bon, c'était tout à l'heure, j'avais fini mes kits et tout. Okay. Du coup ouais, en fait c'est plus justement pour... En soi dans le boulot tout s'est bien passé, juste j'ai pas trop compris où noter les choses que je fais en fait. Alors je me suis servi de ton document. Ouais, pas de soucis. Et en fait j'en ai fait un à moi, tu vois, que j'ai rempli, donc il y a toutes les bonnes valeurs, mais juste voilà. Je sais pas trop où les noter. Tu utilises de la feuille de facture pour calculer tout seul. Ouais. Et une fois... je te donne juste le total. Tu reportes les différents, donc tu reportes le total esthétique dans l'intranet et tu mets esthétique, le nom de la personne et le total. Ok. Ensuite, pareil pour la mécanique, pareil pour kit RGB. Ok, ouais, du coup, je vois, ok. Ouais. Pareil pour kit RGB, pareil pour réparation, ok, bah du coup, on est bon. Bah, je t'écrirai tout ça dans le week-end, je pense. Mais j'ai tout quelque part, ça marche. Si tu peux le faire pour dimanche, comme ça, t'auras ta prime de la semaine. Ah, bah, je le ferai évidemment pour dimanche alors. Alors. Tu veux que je t'amène le véhicule derrière ? Ah bah attends, non. Ah bah oui, non. Mettre un véhicule dessus. Mais. Non mais sérieusement ? Vous vous foutez de ma gueule ? Putain, y a le camion de coca, il est rentré dans le camion ! Ouais, je sais. Sur le côté, je vais te sortir la dépanneuse et le slamba. Ok. Ouais. J'ai pas appuyé sur le push tout seul. Let's go. Attends, du coup, je vais essayer la dépanneuse. Ah oui. Parce que la dernière fois, elle voulait pas trop. Okay. Et on fait des dépannages, nous ? Genre, on les fait payer et tout ? Oui. Sur la feuille de facture, tu vois, à tout à droite, il y a dépannage et réparation. Du coup, t'arrives à le contrôler ou pas ? J'ai pas l'impression. Hein. Bah, faudra que tu demandes au gouvernement, alors. Ouais, j'irai voir. Est-ce que tu la vois accrocher ? Ouais, un peu, ouais. Vas-y, essaye. T'as juste à avancer, là. Ok, c'est bon. Ok. Let's go. Oh, ils sont pas les couilles. Putain, je me suis pris deux coups de pression aujourd'hui, c'était les deux premiers. On m'avait jamais dit des trucs comme ça. En fait, bah après c'est vrai que j'ai beaucoup traîné avec LSPD et EMS, donc a priori les gens les plus clean. Là, les civils ou en tout cas ceux qui ont d'autres business. Ah ouais. Merde, je suis perdu. Mais de toute façon, c'est là-bas. Oui, ça va. Bah, là, comme ça, je le vois pas, mais je sais que c'est là-bas. Oui, c'est bon. Ah, sur le grand axe, en vrai, ça devrait être par là. Oula. Ah oui, non, pas celui-là. Mais on traverse ça normalement ? Ah oui, si, c'est bon, c'est tout droit. Je suis là, hein. Quoi qu'il est pas à côté d'une banque. Donc là, j'irai plus au nord, hein. Oui, non, c'est bon, il y a la. Ah oui, c'est bon, je vois la banque. Il y a le. L'hôpital.
Ouais, je suis juste à côté de, du LSC, je suis dans le tunnel et il y a la remorque qui s'est détachée. Ah, et je peux pas la rattacher du coup. J'arrive, j'arrive. Vas-y. Tout va bien ? Ouais, ça va, j'ai un problème de remorque. Et alors, comment ça va, Boris ? Bah, hôpital. Ouais, et ça va aller ? Ok. J'espère, hein. Ouais, ok. Ah, y'a pas le frein à main sur l'autre ? Non, c'est qu'il y a... C'est qu'on est pas assez. Donc pour les ramener toutes de la fourrière, on utilise la dépanneuse. Le frein à main, c'est pour ça que ça avançait pas. Ah, peut-être. J'ai travaillé au Belize quand je suis arrivé en ville. Ok. Mais moi j'arrive pas à baisser le truc de la remorque. Mais bref, ça, je verrai bien un moment comment faire. Je sais pas trop comment. Comment servir. Mais quel con, il a fermé le 4x4. Je l'appelle. Je vais lui dire. Ok, ça marche. Merci. Ah non. Oh la dingue. Oh la dingue. Peut-être pas me mettre comme ça. Hein. Ah, quoique, en vrai, ça passe. Ah, y'a rien qui va. Hein. Après, on fait du business, hein. Les petites affaires là. Hop hop hop. Eh bien. Mais au secours. Mais c'est... Nathan, t'as pas prévenu ? Non. Ah, il m'a dit qu'il allait te prévenir. Bah c'est que t'avais laissé le 4x4 fermé. Ah, bah... Mais c'est bon, je l'ai ouvert du coup, j'arrive. Ouais, parfait. J'allais être encore bien. Ah, ça plaît beaucoup. Hein. La meilleure instrument dans le véhicule pour moi. Ouais. Très moi, c'est tout bon. Je suis Peter. D'ailleurs, très bon employé. Ah, merci, ça fait plaisir, ça touche. C'est gentil parce que j'étais pas là, donc tant mieux. C'est un très bon garage. Ça fait plaisir à entendre. Peter, tu veux t'occuper de l'amélioration ? Ouais, carrément. C'est quel véhicule ? C'est le RS6 au fond, derrière.
blanc et... Ah oui, bah oui, je me disais aussi. Ouais. Moi je vais aller voir. Bah limite, la réparation, je peux te la faire rapidement, Jackie. C'est quel véhicule? Bah c'est ma moto. Bah moi je vais en faire. Ah plus tard, messieurs, faut que j'aille voir Boris. Bon. Messieurs, je vais m'occuper de voiture, je vais juste me changer. Je vous laisse avancer devant la porte du garage. D'accord, ouais. Alors pour la réparation, qu'est-ce qu'il y a comme dégâts? Moi j'ai toujours une mauvaise vue. Ah oui. Ah non mais déjà ouais d'accord. Bon ça va, c'est rien de bien méchant. Je vais quand même regarder parce qu'en fait je sais pas si on a une facturation différente pour les motos. Je sais pas. Patron. Ah. Bon non. Facturer large. Oh là là. Bah à la limite je pense que pour 500 on aura tout ce qu'il faut donc je vous la répare et pour 500 allez ça marche. Ouais. Ok, ça devrait aller, oui, il n'y avait vraiment rien de bien grave. Essayez quand même de démarrer vite fait pour voir. Parce que j'ai peur que le moteur ait été un peu touché. Ouh là là. Oh, ça a l'air d'aller. Ok, alors, hop. Ouais, c'était vraiment que dalle, je vous fais 300 pour être sûr que ça couvre tout, mais... Ok, comme vous voulez. Ouais, 500, ça me paraît un peu excessif. 500, c'est quand même des dégâts assez lourds, là ça allait. C'est tout, pas besoin de modif autrement? Non, j'ai perdu d'argent. Ça marche. Ah, le casino? Aïe, aïe. Bon bah bonne soirée en tout cas. Bonne soirée, au revoir. Bisous. Avec le moteur, du coup, au maximum, ça vous ferait 387 204. Ah oui, toutes les customs sur ce genre de véhicule, ça va paraître beaucoup, ouais. Ça vous dérange si je reste là pour regarder en tant que stagiaire? Non, vous pouvez. Ok, Donc, après on peut regarder le reste. On peut regarder, ouais, turbo, pour améliorer un peu partout, pour un budget de 233 000. Vous m'avez dit? J'ai 233 000 de budget. Et bien moi je vous propose les freins maximum et le turbo pour 232 642. Et ben c'est parfait. Frein turbo c'est le meilleur combo je pense. Je vous fais ça? Let's go. On va faire ça. Faudra juste passer à la banque parce que je viens de remarquer que la prime que je vais recevoir, enfin que je vais aller récupérer. Pas de soucis, si tu veux, Peter, tu peux l'emmener à la banque pendant que je finis d'installer. Ouais, ok, ça marche. Bon, il n'y avait pas d'autres véhicules à modifier. Je sais que la dernière fois, tu m'avais dit que tu cherchais pas mal de garagistes. J'ai juste besoin d'améliorer ce véhicule. Ok. Bon bah l'avenir est pareil, hein. Si jamais vous croisez des criminels avec la LSPD, on est toujours là hein, avec Monsieur White. Vas-y. Bah je pense qu'on va prendre mon véhicule personnel. Ah, ou alors on se fait un qui... Ah je sais pas si on peut prendre le 4x4 du patron. On va éviter. Ouais non, je vais prendre ma véhicule, j'arrive. Ma véhicule. Et voilà, la plus belle voiture de la ville. 60. À la banque du coup. LSPD puis banque, faut que je récupère la prime là-bas. Qu'est-ce que je fous? T'es sur radio? LSPD. Bonne soirée messieurs. Oui, bonne soirée, bisous. Ah, tiens d'ailleurs, tu tombes bien, ça me fait plaisir d'être en voiture avec toi. Puisque tout à l'heure, une personne qui m'a demandé de pas la citer, donc je peux pas dire qui c'est, m'a dit « Ouais, en fait, en vrai, les limitations, on s'en fout et tout. »
Est-ce que c'est vrai ou du coup non. Si tu fais ça et que je te chope, tu prendras ton amende quoi. Ah, l'idée c'est pas vu, pas pris, ça va, c'est ça? Comment ça, j'ai fait des conneries, Zo? Ouais, c'est ça, pas vu, pas pris. C'est faux. Il a glissé en sortant de son véhicule et donc du coup on a voulu le rattraper avec Monsieur Leroux et il s'est pété la gueule. Et je lui ai tapé dessus quand il m'a annoncé qu'il avait fait une connerie avant qu'on l'embarque. T'es encore avec ton véhicule en train de le faire améliorer à ce moment où je l'ai tapé dessus. Mais ouais, c'est pas vu, pas pris, mais bon, avec le nombre de patrouilles qui actuellement circulent, vaut mieux pas que vous fassiez. Mm-hmm. Bah après, moi de toute façon, je conduis bien, hein. C'est plus pour les autres que je m'inquiète. J'espère. De toute façon, c'est pas avec ce bolide que je vais vraiment dépasser les limitations. Hein. Bonne nuit, Zozo. À demain. Mais ouais, c'est, on a certains véhicules qui parfois veulent faire un peu la course, mais se rendent très vite compte que nos SUV peuvent les surpasser très rapidement. Oui, vous devez avoir des voitures super rapides, vous, en fait. On a ce qu'il faut si on a besoin d'intervenir. Et vous avez genre des modèles sport exprès pour les courses poursuites? Oui, tout est prévu à la liste. Ah d'ailleurs, j'ai appris tout à l'heure que pour le permis hélico, fallait passer par vous. C'est ça. Comment ça se passe juste vite fait comme ça dans l'idée Si vous voulez passer votre permis hélico, c'est 10 000. Et vous demandez à ce qu'un des officiers qui peut faire la formation vous fasse passer. Et il vous faudra passer le permis. Ah ouais, ouais. Et 10 000, et si on rate, faut pas les repayer? Si. Ouais, ouais, ouais. C'est comme pour le permis à l'auto-école, si vous ratez, on repaye. Ah, je sais pas, moi j'ai jamais raté. D'accord. Je l'ai jamais raté aussi, je suis bien content de pas l'avoir raté. Ouais, bah c'est vrai que c'est pas donné quand même. Ok, ça marche. Bon courage, hein. Ah là là, les fiers représentants de la loi. Ça, moi, ça me fait plaisir. Alors... Ah, j'ai tant de messages. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il me dit, Tom Vive? Zo, j'avais pas vu, pas de soucis, t'inquiète, ok. Ça, pourquoi j'ai des notifs ici? Qui me notif? D'accord, très bien. Ok. Ça. D'accord. Ça, ok. Okidoki. Je check un peu les choses. C'est vrai que je regarde pas trop les ce qui est Discord et tout pendant que je joue. Bon, je remplirai tous les trucs après. Ok, oui. Comme ça, je t'ai passé en banque. Ok. Attends, c'est fermé. La banque, elle est où? Juste là, tu prends à droite. Et comme si tu voulais aller vers le bistrot. Il y a que le bistrot, rien d'autre. Je te mets un point. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Vu. Ceinture. C'est fait. Depuis que j'ai voulu mettre ma ceinture à 150 km/h et que ça m'a éjecté du véhicule, plus jamais. Et ben l'autre jour, j'avais oublié de la mettre parce que j'étais un peu perturbé. Je roulais comme ça, quoi, 40-50. Je me suis pris un petit plot. Et j'ai fait un vol plané, j'ai dû. J'ai coma. Donc depuis, je la mets tout le temps. Ouais, ça arrive. Retourne au LS. Ça marche. Il
D'ailleurs, c'est quoi exactement les limitations ici? 90 en ville, 140 sur l'autoroute. 90 en ville? 90, oui. Ah, mais moi je reste toujours autour de 50? Ah non, non, c'est 90 en ville. Oh la dingue! Vous pouvez mettre votre limitateur de vitesse. Ah bah du coup, oui. Le petit bouton. Ouais, ouais, non, je ferai ça. 90. Ah ouais, mais là je découvre un tout nouveau monde là. Ah oui, mais c'est pour ça que. Je roule vraiment à 50 depuis le début. Ouais, bah c'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi il reste aux alentours de 50? C'est qu'il veut aller plus vite. D'accord. Après, je me suis dit peut-être que c'est parce que je suis là et que vous avez peur. Ah non, je roule toujours comme ça. Ah bah, dites-vous juste que moi, ce qui m'arrive assez gros en ce moment, c'est que le RS6, quand, ça pousse assez fort. Quand je dois aller au travail, limitation de vitesse. Ah, j'avoue que moi aussi, des fois, quand c'est pour le travail, ça m'arrive de les dépasser un peu. Hein. Quand j'entends sur la radio, ils passent à l'ouest, etc., et que je sais que c'est une poursuite, la limitation de vitesse pour moi n'existe plus. Oui, bah ça, forcément, oui, bien sûr. Moi aussi, en tant qu'avocat, des fois, je suis obligé de dépasser la limite. Hop, je te dépose là, c'est bon. Faut aller la garer. Merci beaucoup. Mais de rien, tout de suite. Quand même vraiment dégueu cette voiture. Pas mal. Je me souviens, en tournant autour de la voiture, j'ai fait quoi? Je me suis gamelé. Ouais, t'as glissé à cause d'une flaque d'eau. Ouais, mais c'est à cause de l'autre qui m'a sorti de la voiture là, quand j'ai retrouvé la mienne. Bah, tu marchais pas tout à fait droit déjà. J'avais oublié la voix de Gaston. Quel plaisir. J'ai vu, je t'ai fait ça va et t'as tourné autour de la voiture, t'as glissé, tu t'es mangé ton corps. Ah, et voilà. Ouais. Est-ce qu'on met des néons? Ah oui, néon bleu. Oh, mais on voit mal dans ce garage. Oui, c'est pas grave. Si tu t'accroupis, que tu avances assez près et que tu regardes un peu vers le haut comme ça là, tu peux voir la couleur du néon. Ah ouais? Ouais, bon, c'est une technique à prendre, je l'ai toujours pas. Mais, ouais, à l'arrière sinon on les voit, à l'arrière. Ouais, à l'arrière on les voit. Mais... Ouais, à l'arrière on voit bien. Mais quoi, celui-là ou celui-là? Alors moi je vois du rose, hein, donc Moi là je vois un espèce de bleu foncé. Là je vois un peu clair. Le foncé ou clair? Le plus proche des roues. Le plus proche des roues, donc j'ai foncé, non foncé. Ouais. Et bah en cosmétique c'est tout ce que je vais avoir, après je peux te mettre un petit kit RGB. Un klaxon? Non, pas le kit RGB c'est les couleurs. Je peux changer les couleurs des phares et tout, ouais. Oui, non mais je sais, kit RGB j'en ai déjà mis plein sur tous mes. Changer le klaxon, tu vas mettre quoi, une petite musique? Je sais pas, un truc qui change un peu. Un truc qui fasse un peu classe. Une petite musique un peu classe. Il faut que ce soit classe. T'es sûr que tu veux pas un RGB? Si, mais je prends. C'est le dernier truc, le RGB en général. Ouais, ouais. Limite, est-ce que je pourrais essayer de l'installer le RGB? Parce que j'ai pas réessayé depuis que. Si. Je vais en prendre un, j'arrive. Oui, oui, budget, je prends. De toute façon, je prends tout sur mon code. Là, dis quoi, pardon? Le klaxon. Ouais, le klaxon. C'est trop bien, en vrai, j'aime trop le LS Custom. Ah, c'est sûr que c'est mieux que employé de la ville, ouvrier de la ville. Je vais en prendre 5 du coup si ça marche. Oh, trop stylé. Oh, celui-là il te va trop bien, Gasteux. Arrête à dire ça, lui il va être content. Teste celui d'avant.
Ah non, non. Ah oui, non, non, c'est un peu sinistre. Ah ouais. Oh, oh, celle-là, en vrai, elle est bien. Je mets ça? Ouais. Attends, ok. Sachez que là, en genre 15 secondes, je viens de prendre 3 strikes pour copyright. Let's gong. Fuck. Je fais sauter la partie, hein, avec Andy. Et maintenant, bah, on super, le cher. Je te laisse faire, Peter. Oui, avec plaisir. Allez, Peter, montre nous. Alors écoutez monsieur, c'est très simple. D'accord. Tu préfères quelle couleur? Toujours dans les bleus j'imagine? Et le plus proche de la roue possible. Oh attends. Et non, c'est pas déjà. Ok. Genre comme ça ou comme ça? En bleu j'aurais ces deux là. Celui et l'autre avant. Le foncé est plus proche, hein. Le clair ou le foncé? Le foncé est le plus clair. Proche des roues. Ah mais j'aime bien le clair. Ouais moi j'aime bien le clair. Ah si tu préfères le clair on te met le clair, hein. Ouais le clair Ouais j'aime bien le clair. Allez. Attends mais Edward tu m'as déjà mis la facture, je voulais peut-être rajouter la fumée de pneu. Mais je l'ai mis déjà la fumée de pneu. Ouais. Ah oh, bah nickel. Il te fera une facture Peter pour le kit. Ouais par contre je vais avoir besoin du modèle du coup. Pas de soucis c'est un bowler. Ok. Alors moi il faut que je fasse ma facture avant de partir. Ah oui. Non, non, attends, me dis pas, je vais regarder. Je viens d'y penser. Je vais regarder. Venez avec moi à la quai. Je suis. Voilà. C'est un bowler normal ou un bowler sport? Un sport. T'es sûr? Aïe 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 aïe. Niveau prix, ça coûte combien un bowler sport? Bah, juste pour les RGB, c'est 2902. Oh, ça va piquer. Ça va. Mais c'est que le bowler normal c'est 1000$ de moins quoi. Ouais ouais ouais. Ah j'ai plus le sport. Faut que ça ait de la gueule quand même. Je note sur mon petit calepin, Gaston Turcoing. 2902. Voilà. RGB. Ok, let's gong. Du coup, t'as eu un rendez-vous psychiatrique que je sais pas quoi. Ouais, ouais, c'est, bah, tu sais, c'est pour mon problème de mettre des coups un peu tout le temps. Comme quand j'avais tapé le chat et tout. Très bien. Tu peux rester loin parce que je viens de sortir de l'hôpital à cause de coups, justement. Ah, ouais, d'accord. C'est une vanne, je te fais confiance. D'accord, d'accord. Après, tu sais que je t'en ai déjà mis pas mal, hein. On est jamais à l'abri. Hein. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y aurait ? Bah, à la limite, si tu veux, je te facture tout de suite les RGB, comme ça sera séparé. Ouais, ouais, je l'ai mis. Tu veux les essayer ? Non, non, mais je te prends. C'est que là, les phares sont éteints, mais regarde. Oui, oui, non, mais je sais. T'inquiète, t'as même moi. Hé, hey, champion. Ça rend bien, hein. Ah, magnifique. Et tu vois, tu me mets juste le RGB, j'ai déjà payé le reste à Edouard. 2902. Merci beaucoup. Et voilà, ben merci à toi, hein. Ça fait plaisir de faire tourner l'affaire. Première. Et ben, et ouais, ça pique un peu. Bien, tu t'en sors Bah, pour l'instant, j'ai pas touché d'argent pour l'instant parce que on touche les primes qu'en fin de semaine. D'accord. Mais ouais, ça va. En vrai, j'ai fait quelques kits de réparation et ça, je suis payé directement quand j'en fais. Du coup, j'ai pu payer mes factures à l'hôpital. Nice. Ça, c'est bien ça. Bon, après, là, il me reste 3000$ en tout. Très bien. Donc, c'est pas non plus. Le speech ? Non, je crois pas. Non, alors, normalement, j'ai des lunettes vachement sympas, mais à cause de l'hôpital, je les ai pas. Faudrait que j'aille les remettre. D'accord. Donc, ce sera un peu ma situation des lunettes, mais c'est pas grave. T'es prêt ? Ouais, ouais. 3, 2, 1. Bonjour, je viens de créer un label de musique. Si vous avez le moindre talent, que ce soit en montage, mais non oui. Caméra, chanter, faire de la musique, de la production, un des quatre, tous, n'importe lequel, à n'importe quel moment, contactez-moi pour me prévenir. Nous faisons aussi un système de dons, si jamais vous voulez soutenir et votre nom apparaîtra à la fin dans le générique. Et nous faisons aussi un système de partenariat. J'avais un super nom tout à l'heure, ça faisait hyper pro, mais je l'ai oublié. Sponsor, label Sponsor, de sponsoring. Ah ouais. Et moi, tu sais à quoi j'avais pensé pour ça
Si jamais ça marche bien, on pourrait faire un concert et faire payer les places. C'est le but. Alors oui, ah. Il se peut que depuis que je t'ai dit je vais créer un label, j'ai créé un label, j'ai recruté des gens, j'ai demandé à la mairie, j'ai des partenariats pour. Ah oui. Je veux dire, je suis déjà Jay-Z en fait. Donc... Vous avez coûté combien? Voilà, il y a déjà des trucs comme pour, voilà. Et du coup, es-tu intéressé pour rejoindre le label? Bah moi en soi, j'ai pas spécialement de talent musical. Bah, donc, même c'est un talent, est-ce que tu es chanteur, est-ce que tu veux faire des instruments, est-ce que tu veux écrire des paroles? Non, pas spécialement. Après, je veux bien gagner de l'argent. Oui, justement, c'est rémunéré. Oui, mais du coup, non. Après, pour tout ce qui est à la limite, à la limite, je peux être organisateur d'événements, peut-être. Ça, ce genre de choses, ça peut le faire. Ou contrôleur de tickets dans les concerts. Tout ce qui demande pas spécialement de talent. Oh bah tu sais, écrire des paroles ça demande pas de talent, là tu m'avais fait un beau truc par message, je l'ai gardé hein. Ah ouais c'est vrai? T'avais bien aimé? Ah mais tu me fais des trucs comme ça, c'est incroyable. Non. Tu sais tu peux juste être compositeur hein, Ah ouais ouais, eh pourquoi pas. Ah mais après faudrait qu'il y ait des gens qui soient tentés par chanter mes textes. Il y a déjà des gens pour chanter, puis à la limite... je trouverai toujours, puis si personne veut, moi je les chante. Enfin après il faut les valider ou quoi mais... Là déjà il y avait avocat ragiste, il y avait un truc pas mal hein. Ouais mais du coup faudra trouver un autre thème parce que du coup je suis toujours le seul avocat ragiste pour l'instant hein. Oui mais ça peut faire une chanson, on a aussi une commande du bistrot pour lancer un partenariat Ouais c'est pas mal ça. Ouais ouais y a pas mal de trucs. Tout va bien Pawa aussi. Tout va bien, il devrait partir faire une petite sieste. Ah il a mis les RGB? Non c'est... on vérifie juste les RGB, c'est possibilité de mettre les phares en noir mais apparemment. Ouais, non, mais c'est vrai que les RGB c'est super crevant, très souvent on doit faire des siestes après. Mais ouais, on a trouvé une petite astuce pour s'en sortir un peu mieux, mais c'est vrai que ça marche pas à tous les coups. On peut peut-être en parler au gouvernement ou quelque chose comme ça. Justement, c'est le gouvernement qui nous a donné l'astuce, ça fonctionne, mais pas tout le temps. J'avoue que là je comprends pas trop comment il a pu. Bah, je pense qu'il a pas dû utiliser l'astuce. Non, je pense pas. Mais ouais, c'est vrai, c'est que je pensais qu'un kit RGB. Je sais pas quelle couleur on peut mettre sur le kit RGB. Hein. Bah, à la limite, je peux te dire ça tout de suite. Je vais regarder sur celle-là. Au pire, ouais. En plus, on voit bien les couleurs. Donc... C'est ça en bleu. Alors, attends, faut que je le trouve. En noir, non, on n'a pas. Dans les plus foncés, on peut avoir genre du rose foncé, du rouge. Orange sombre. Attends, qu'est-ce que vous faites avec la voiture? Non, je lui montre juste les couleurs de phare, t'inquiète. Il me montre les couleurs de phare, mais il va pas la montrer, t'inquiète pas. Tu veux du foncé, toi, c'est ça? Je parle de foncé, genre noir. Non, noir, il n'y a pas. Les plus foncés, je pense que ça va être celui-là, bleu foncé ou rouge. Ouais, ou un rouge. Mais à vrai dire, rouge, je te déconseille parce que ça éclaire vraiment rien. Genre, ça donnera une teinte rouge à ce qui est devant toi, mais t'auras aucune visibilité la nuit. Hein. Je les ai essayés. Violet clair en vrai. Hein. Ouais. C'est violet clair, mais ils sont assez foncés. Hein. Ils sont plus foncés que le bleu foncé. Je sais pas si tu vois bien sur le mur la couleur que ça fait. Si, on voit. Ça, c'est le bleu foncé et ça, c'est le violet clair. Et violet foncé. Ouais, ça change pas grand chose. Violet foncé, si ça change un peu la teinte. Hein. Ah ouais, un petit peu. Ça devient un peu plus foncé. Bah, je pense que c'est ce qu'on a le plus foncé. Hein. En vrai, ouais, je verrai directement. Hein. Si je mets un kit RGB ou pas. Ok. Kit RGB c'est lourd. Toi c'était bleu clair Gast, c'est ça? Et... C'est lui ouais. Alors... Je fais le petit débit. Ah nickel. Ah bah c'est chouette, t'as trouvé un boulot... Attends je vais aller dehors. Ouais. Il y a pas ouais à côté. Ouais. Je vais sortir la voiture. Bon ok. Elle marche bien, elle marche bien. Ouais, bah c'est une voiture pour le label. Ouais, mais c'est vrai, elle fait bien patron de label. Et du coup, il s'appelle comment le label? Oui, allô, pour la livraison de tomates.
Gasteux. Gasteux, à chaque... tu l'as fait à chaque fois la livraison de tomates, c'est toujours le même coup. Change au moins de légumes. Oui, allô, pour la livraison de poire. Ah, tu commandes des... Ok, pardon. Je te laisse faire ta commande. Oui, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Oui, c'est pas faire des... Aïe, aïe. Ça doit être compliqué à gérer hein, tous les stocks du PDP. C'est clair qu'au bout d'un moment, ça doit pas être évident, hein, tous ces stocks. Moi, je pense que je m'y retrouverai pas avec toutes ces commandes. Hein. Déjà qu'avec juste les kits de réparation, je suis perdu. Pas du tout. Imaginez, ouais, moi, je serais déjà perdu avec les kits de réparation. Du coup, t'as pas encore trouvé le nom, c'est ça? Ou tu l'as trouvé, mais tu regrettes? J'ai trouvé, mais c'est un secret. Ah! Pourquoi c'est un secret? Parce que je l'ai pas trouvé. Ok. Non. Mais Los Santos Music, c'était bien. Los Santos Records. Los Santos... Label. Los Santos Label. Non, c'est pas fou en vrai, Los Santos Label. Los Santos Production. Eh, ça c'est pas mal. Los Santos Prods. Eh, ça rend bien, non, oh, si. Oh, LS ouais. Prods. Eh, non, y a un truc, hein. LS Prod, c'est bien. Ouais, Prod, ça fait un peu... raccourci. Trop raccourci. Ben justement, les jeunes de nos jours, ils aiment bien les raccourcis. Oui, Los Santos Production, ça fait compliqué, hein. C'est très long. Oh. Imagine pour le bouche à oreille. Les gens ont besoin que ce soit court. LS Production, ça va. Ou Los Santos. Et en plus, si tu fais un diminutif de LS Production, LS Production, ça fait LSPD. Ça, c'est stylé, hein. Eh, on a qu'à l'appeler LSPD. Comme ça, il y aura de la concurrence. Et oui. Alors, je suis toujours au LSPD. Oui, oui, ça, je me doute. Mais comme ça, tu seras toujours au LSPD. Concurrent. Mais l'autre LSPD. Ou alors Los Santos Studio. Los Studios. On dirait un gang là. C'est vrai. Ou LS Production. LS Production, c'est vrai que c'est pas mal. C'est... LS Records aussi, c'est pas mal hein. Ah, LS Records, c'est déjà passé dans le plus bel avis d'ici donc. Ah oui. C'est compliqué un peu. LS Music. LS Music, ouais, non, ça. C'est pas simple hein. LSC. Bah LSC du coup c'est déjà pris, c'est nous. ARE, ça y a pas de souci hein. Mais c'est pas fou. Ouais, ça fait art. Ouais. Ah c'est vrai que ça fait l'art. Non, art. Oui, l'art, comme l'art. Là. Ah, de l'art, ah. Eh oui. Ah. Après, sinon, ça fait aussi art le pirate. Quoi. Ah, ouais. Mm-hmm. Bah, tu pourrais créer toute une thématique de pirate. Enfin, la piraterie, comme la piraterie ne s'arrêtera jamais, des trucs comme ça. Non, je suis pas un pirate. Eh oui, c'est vrai que t'es policier, ouais. Bah, la policerie n'est jamais finie. Ouais, mais du coup, faudrait pas que je me mette des gangs à dos en mettant trop avant d'avoir la police. Ah oui. Eh oui. Mais du coup, t'as déjà trouvé quoi comme genre de personne associée? Une chanteuse, un caméraman monteur, quelqu'un qui peut potentiellement tenter de chanter, le casino et le bistrot des clubs. Ah, et Maître White. Comment ça, Maître White? Investi 30 000. Ah! C'est un sponsor, il aura sa pub. D'accord. Ok. Los Santos Production. LS Production. LS Production, je trouve ça fait mieux. Je sais pas, moi j'ai vraiment du mal avec le prod. J'hésite entre Los Santos Prod, ou LS Prod, ou LS Production. Franchement, je saurais pas te dire. Hein.
C'est toi le patron du label, hein? J'ai une idée. Dis-moi un chiffre entre 1 et moins 4. Entre 1 et moins 4. Moins 3,5. -1, 0, -1, -2, -3,5. C'est entre... Tu veux pas rajouter quelque chose après le 5 du 3,5? 3,54. 54, très bien. On part donc sur 0, -1, -2, -3, -3, 54. On est donc plus proche du LS Production. Qu'est-ce que... Tu les as visualisés dans ta tête, c'est ça? Et non, en fait, je me suis dit 1, 2, 3, 4, et c'est dans l'ordre où j'essaie. Eh ouais, eh pas mal, eh bien joué. De ça. Après, du coup, c'était pas très paume parce que... Bon. Du coup, LS Production? C'est ça, et après, bon, j'ai compté le ventilateur comme un mot. Je me suis bourré dans mes calculs. Mais c'est pas grave, ça arrive. Et ouais. Au final, le ventilateur, c'est un mot. Tu trouves pas? C'est un bon, oui. Et comment tu comptes être rentable dans tout ça? Ah oui, grâce aux investisseurs. C'est ça. Dans un début, après organiser des événements, écouter les nouveaux sons en avant-première. Tout est bon pour vous, monsieur Turcoing? Oui, tout va bien. Je parlais du projet de Los Santos. Très bien. Production. D'ailleurs. J'ai pas trop l'âme d'un chanteur. Ah bah si vous avez... Ah oui, j'ai pas fait le... Je vous ai fait le speech en vous ou pas? Non. Très bien. Non mais après c'est peut-être pas obligé. Un panel de musique qui s'appelle Lost... Non, LS Production. Si vous avez le moindre talent en chanson, que ce soit pour juste écrire les paroles, que ce soit chanter, que ce soit filmer, que ce soit monter, que ce soit écrire les paroles, je pense que je peux composer. Ah, on tient peut-être quelque chose. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, si jamais... Vous êtes... Ça va, tout va bien? Tout va bien, faut juste que je fasse un truc. Gaston? Ah non, ça y est. J'ai juste une question, tes armes. Je vous assure que c'est pas moi. Tes oui, armes, je les ai récupérées. Faut que j'aille chez Roger, mais 14, il m'a dit de venir ici en vitesse et depuis j'ai pas le temps de repartir quand je suis à l'hôpital. Tu les as récupérées sur toi ou ils sont dans ton véhicule encore? Ils sont sur moi. Ok. Tu iras voir. Faut que je les mette chez Roger. Je sais. Non, j'ai parce que tout à l'heure j'ai vérifié tes véhicules pour voir si c'était dedans et je les ai pas trouvés donc j'étais à deux doigts de te tuer moi-même. Non, j'ai tout sur moi. Okay. C'est qui, Roger? C'est l'armurier de la SPD. Ah ouais, ok. Gaston, donc, oui, on était en fait, est-ce que tu as payé la facture de tout à l'heure? Passé une bonne soirée? Ah oui, j'ai payé les deux, moi. Okay, j'ai plus aucune facture. Ok, non mais si. Moi, il m'a payé les RGB, ouais. Et j'ai payé la vôtre direct, vous me l'avez donné même pas. Ok, bah je pas. Je crois, je peux même vous dire, c'était 7000 quelque chose même. Et donc, on était en pleine. Oui, donc du coup, vous seriez intéressé pour écrire des paroles. Très bien. Est-ce que vous voulez votre premier contrat? Oula, je vais pas avoir trop le temps là. Ah, d'accord. Eh ben, mais alors, sachez que c'est un label. Mais les deux premières semaines d'août, peut-être que j'aurai le temps. Ah oui, non, mais vraiment, c'est hyper tranquille. C'est vous écrivez quand vous avez envie. Une fois que vous avez écrit quelque chose, vous nous montrez. Si c'est. Et on vous paye. Voilà, il n'y a pas de truc, c'est juste si vous faites chier ou quoi. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de. D'accord. Ça va? Très bien. Okay. Alors, est-ce que je peux donc écrire nom, prénom? Edward Townsend. Et pourquoi vous l'avez pas appelé Oh, la belle bleue. Et c'est vrai que c'est pas con toi, vu que t'aimes bien le bleu. Mais oh, je me souviens de la blague avec Matrix. La pilule rouge ou la pilule bleue? J'ai pas compris la blague. Oh, la belle bleue. Et ah, parce qu'il y a le côté label et bleu, oui. Et bleu, pas bleu. Bleu. Bleu comme la couleur. Oui. C'est ce que j'ai dit, bleu. 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 Eh bien ça, bien. Bleu. Comme ça ouais. La belle bleue. Ouais.
C'est ça ira peut-être mieux à l'écrit. Vous êtes engagé. Mais j'ai rien fait. Engagé de quoi? Ah non, mais vous l'étiez déjà. Ah bon? Donc, oui, monsieur Lorenzen. D'ailleurs, vu qu'on a fait la voiture, on pourrait peut-être être partenaire? Parolier. Comment? Je vous enregistre comme parolier. Ah, monsieur Lorenzen, êtes-vous le patron du Los Santos Custom? Oui. Donc pour vous, j'ai un autre speech. Oh, d'ailleurs, Edouard, il y a... Oh, attends, finissez. Oh. Seriez-vous intéressé pour être un partenaire officiel du label? Bah, ça nous coûte quoi et ça nous rapporte quoi? Oui, enfin, faut... Alors, parce que là, c'est bien gentil comme question, mais... Oui, oui. Ça va rapporter qu'au début de chaque clip, on dira « Tout ceci a été possible grâce à nos sponsors » et là, on dénoncera. Ça, c'est bien, ça. Et donc, des remerciements spéciaux. Si, par exemple, on a tourné un clip au casino, on dit « On remercie le casino pour nous avoir permis de... » Non, c'est que nous, par contre, les sponsors. Ah non, par contre, les sponsors, il y en a plusieurs, ça peut pas tourner. Ouais, il a déjà trouvé d'autres sponsors aussi, donc ouais, ça va être compliqué d'être solo. Ah d'accord, donc en fait, on est là pour ramasser les ordures, en fait. Non, c'est juste que en fait, il y a chaque sponsor dans son domaine d'expertise. Par exemple, tout ce qui est rapport bouffe et salle, j'ai le bistrot des cubes. Tout ce qui est un peu luxe, tout ça, il y a le casino. Et donc les véhicules, c'est nous. Et je me disais, si on fait des véhicules, des clips avec des véhicules spéciaux et tout, on peut dire et merci au Los Santos Custom qui nous a permis d'avoir ces véhicules customisés. Mais vous croyez qu'on a ces véhicules customisés? Non, mais je sais pas. Après, on peut faire un partenariat dans le style. Vous êtes un sponsor, on vous fait de la pub, on peut même vous faire une chanson. Bah, à la une chanson avec c'est le pas label. Cool, ça. Par contre, la rigueur, avec chanson, c'est très cher. À la rigueur, avec le label, vous pouvez peut-être essayer de... Quand ça rapportera des sous, peut-être d'acheter 2-3 véhicules que je peux, qu'on peut vous conseiller au Los Santos Custom, qui sont customisables, qui sont bien customisables, si vous voyez ce que je veux dire, genre qu'on peut changer beaucoup de choses dessus, qu'on peut tuner correctement. Et comme ça, après, lorsque pour changer, puisque vous n'allez pas les mettre la même voiture avec la même couleur dans chaque clip, et bien ça, on peut vous faire des prix, par exemple, sur les couleurs, les pièces de tuning, etc., sur les voitures que vous aurez achetées. Ouais, alors je pensais justement à un truc comme ça. Et bien sûr, comme tout sponsor, un soutien financier contre une pub très largement. Un soutien quoi? Financier. J'ai pas entendu. Financier. Mais le soutien financier, c'est déjà de faire des réductions sur les customs. Alors, je vais vous donner une idée de l'échelle de nos sponsors. On a le Bistrot des Cubes qui nous propose 150 000 $. Bah si tu fais beaucoup de custom sur une voiture, on te fait une petite réduction, t'auras vite 150 000 $ de réduction. Hein. Oui, non, mais alors, avant que je customise pour 150 000 $ de voiture... Non, 150 000 $, c'est la réduction. Hein. À hauteur de 5%, on est sur une custom à 940. Ça irait. C'est pas logique, une réduction de 150 000 sur un truc. Je modifie juste un pneu à 19 $. Pas de tous les prix, c'est pour imager. Mm-hmm. Vous faites quoi? Vous me remboursez la différence? Ah non, justement, c'est... Ouais, bon, c'est peut-être pas le meilleur plan. Parce que là, faut faire des calculs. Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est déjà, si vous êtes sponsor tout court avec un soutien financier, vous avez votre instant promo, entre guillemets, avec vos autres, au début de la vidéo. C'est merci au Los Santos Custom qui nous a permis d'avoir nos voitures de tournée. Merci au casino qui nous a permis de nous installer. Merci au bistrot qui nous a permis de créer ce clip. Mais à la limite, vu que de toute façon, tu vas toujours te trimballer avec le véhicule qui a été customisé chez nous. Eh bien, on pourrait se dire que partout où tu vas, tu dis que le véhicule vient d'ici. C'est ça, L'autre partie, ça peut être... De toute façon, moi, je fais tout, customiser tous mes véhicules ici. Et oui, en échange, je peux vous faire une énorme promo. Je peux vous faire un tweet comme je suis content. Après, en vrai, on n'a pas non plus beaucoup de concurrence. Ouais. Donc, dans tous les cas, la pub est peut-être pas si importante. Vous savez que le Beniz va reprendre, quand même. Mais pour l'instant, il n'a pas repris. Bah, il a toujours 2 employés. T'en es géré. Ah oui? Après, moi, je propose pour faire un large coup de pub. C'est comme vous voulez, moi, franchement. Bah, c'est plus avec lui qu'il faut voir. Hein. Moi, de toute façon, soutien financier, j'ai clairement pas les moyens, donc faudra voir avec les autres. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Après, le sponsoring, c'est en gros, c'est comme à la télé. C'est vous apparaissez. Qu'est-ce qu'il fout? Il nettoie une bagnole. Bah non, il a pas le chiffon. Faut un chiffon pour nettoyer. Ah non, il vole une bagnole. Non, je pense pas. Je
pense qu'elle devait être cassée. Il se passe, elle était cassée la voiture, c'est monsieur, ça Monsieur Turcoing, je vous ai expliqué quelque chose. Oui. Et cette voiture. Oui. Imaginez que c'est le Bénise. Ouais. Très bien. Cette clé, c'est le Los Santos Customs. D'accord? D'accord. Bah non, là le Bénise est beaucoup plus gros. Ah oui. Ah oui. Cher Peter, il faut que tu saches que le Bénise au début c'était un flywheels. C'était un petit garage avec même pas deux places pour mettre deux véhicules. Tu vois, ça représente très bien cette clé. Ouais, ouais, tu d'accord. Vois, à la fin, c'est qui va gagner d'après toi? Ah bah c'est nous, ça c'est sûr. Voilà. Je vais peut-être aller m'occuper du client, j'arrive. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je venais pour faire un devis pour savoir combien ça me coûterait d'améliorer ses capacités au maximum. Toutes les capacités? Toutes les capacités. Écoutez, vous permettez que je rentre et on va voir ça à l'intérieur? Oui, pas de soucis. Attendez, juste je me remontrer mon véhicule à... Ok. Bah alors, tu vas encore engueuler Gasteux? Non, je vais juste voir son véhicule. Voilà. En vrai, ça va. Hein. C'est le véhicule le plus rapide en 5 portes. Je suis pas sûr. Vas-y. Ah si, si, si. C'est quoi? C'est la... Non, c'est pas ça. Je pensais que c'était la même que la Madame Oussel. Mais en tout cas, c'est le véhicule le plus rapide qui existe. Et du coup, il t'a dit quoi après sur la clé à molette et tout? Ah non, il a défoncé le Bénise. Enfin, la voiture. Oui, le Bénise du coup. Custom. Ok. Avec la clé. Ben, je suis d'accord. On va les défoncer. Ouais. Bon, j'ai des clients, faut que je m'en occupe. Oui, vas-y. T'inquiète. Après, pour l'instant, ils discutent entre eux, donc ça a l'air d'aller. Ah, ouais. C'est bon, oui. J'ai compris. Très bien. Oui. Du coup, il y avait un autre truc. On peut aussi avoir les partenaires officiels. Donc, par exemple, on a ce partenariat donc, financier, la pub au début, tout ça. Et partout où on va, donc on dit bien sûr que c'est vous qui avez fait cette voiture. Puis, on dit que notre partenaire officiel de réparation de voitures, qui s'occupe de tous nos véhicules de tournée, de tout ce qui nous permet de nous déplacer, de toutes nos voitures personnelles, de toutes nos réparations. Ça, c'est bien. C'est tout au Flywheels. Et qu'en plus, au Flywheels, allez, excuse-toi. Ils font des kits. C'est cool. Putain, je date encore du Flywheels aussi. Mais je me trompe des fois. Ah, merci. Et c'était mieux au Flywheels quand même, comme nom. Bon. Et qu'en plus, ici, vous avez l'exclusivité des kits RGB qui peuvent permettre quand même d'allumer. C'est bon, on est prêt? Oui, totalement. Ok, bah je vous laisse me suivre à l'intérieur, je prends la voiture et vous me suivez? Alors, bah, le mieux c'est que je regarde tout et je vous dis une fois que c'est bon. Parfait. Le temps que je calcule un peu, je vous dis ça dans quelques instants. Et puis même, si vous pouvez noter ouais. Aussi à l'unité de chaque amélioration, comme ça moi que je sache si jamais je peux les faire. Ok, bah je vous le dis petit à petit alors le temps que je calcule. Ah, écoutez, je noterai au fur et à mesure. Ok. Alors attendez, faut que je ressorte ma petite compta. Quel enfer. Je crois que là... Bon, au pire, je vais faire feuille 5, comme ça, c'est bon. Ok. 6975. Ok, pour les freins, ça va, on est sur 9067$. Pour le moteur, c'est là que ça va coûter, hein. 127 650. Ah, je me doute. Le moteur, rien que le moteur, on est sur 165 000. D'accord, même c'est plus cher que le véhicule lui-même. Ah bah c'est possible, de toute façon plus le véhicule monte en gamme, plus les améliorations montent. Pardon? T'as récupéré ta prime. Oui, je vais faire la prime, mais bon. Là, je demandais à améliorer, rien que le moteur, coûte plus cher que le véhicule.
Pour les suspensions, on est sur 58 000 $. Bah dis-toi que j'ai payé le véhicule 350 000 et que rien que le moteur coûte 380 000 à fond. Je vais coûter 150 et le moteur coûte 165. Ouais, bah c'est toujours à peu près. Ouais, c'est à peu près le même ordre d'idée. Hein. En général. Ouais, mais dis-toi que toi, là, pour améliorer ton véhicule en footwear, tu vas être aux alentours de 150 000, 200 000, tu vois. Je double le prix de mon véhicule pour améliorer le footwear. Voire même le triple. Bah écoutez, le total, pour tout augmenter à fond, ce sera 396 940, donc quasiment 400 000. Donc en gros, tu payes le prix de mon véhicule plus 50 000. Qu'est-ce qu'on en pense? Après, on peut faire étape par étape si. Faire étape par étape, je pense pas qu'il me dit. Moi, j'ai le budget, mais. Je n'ai plus rien sur mon compte, donc. Ah oui, moi aussi, c'est juste pour le devis, oui, d'accord. En fait, je peux faire peut-être les freins déjà, ça peut être au moins. Les freins, ouais, c'est les moins chers. Les freins, c'était 9 000, ouais. Pour les freins. J'ai okay. Pour les freins. Y a pas parfait. C'est que moi, j'ai créé un démon. Vraiment turbo, heureusement qu'il m'a mis les freins à fond parce que vraiment, quand je suis de la ligne droite, si j'avais pas les freins à fond, je mourrais. Ah, mais les freins, c'est toujours la sécurité. Bah, en fait, j'ai pris un virage, je me suis dit, tiens, je vais aller sur l'autoroute et on verra bien. J'ai une petite mauvaise nouvelle. Comment ça? Je me suis trompé de gamme sur les freins, j'ai noté les freins premier de gamme. C'est-à-dire que sinon, on est plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, 26 500 les freins, ouais, au maximum. Je consulte mon compte bancaire. Du coup, on est sur 414 000 au total. 414 000 au total de... Ouais, désolé, j'ai noté l'entrée de gamme, je me suis trompé. Ouais, non, mais en fait, j'ai même plus assez sur mon compte bancaire. Non, mais... bon, déjà... Bah après, c'est le projet d'une vie, hein. Une fois que vous avez ça, vous êtes bien. Juste le moteur Juste en entrée de gamme, moteur. Si je fais entrée de gamme, puis tout à fond, ça coûte moins cher ou... Bah, t'as juste. Ah, je crois pas, hein. Ouais, en deux mots, autant partir directement sur la dernière gamme. Ouais. Bah, c'est le plus rentable, ouais. À la fin. Autant ouais. Non, mais mieux vaut la garder comme ça et. Ouais, ouais. Bah, c'est ça, je genre, moi là, j'ai pris les freins d'un coup avec le turbo et prochain coup, bah, je prends un métro tout d'un coup. Niveau cosmétique, vous avez. Les freins, c'est 26 000. 26 000, c'est du pas si cher. Du coup, ouais, c'est ce qu'on a de moins cher, hein. Sinon, ce sera la suspension à 58 000, turbo 73, transmission 90 000 et moteur 165 000, ouais. Ouais, effectivement. En vrai, c'est cher, c'est mais correct. Pas tant que ça, si tu penses. Bah, en vrai, oui, c'est rentable, hein. Ton salaire, tu touches quoi, 1100, il me semble. C'est ça. Pour l'instant, j'espère monter à 1200. En vrai, tu peux être très bien. Tu peux te mettre très bien si tu gères bien. Si tu fais des heures de patrouille, etc., tu peux te mettre encore mieux si tu gères assez ça. Ce qui peut permettre de faire en sorte qu'à la fin de la semaine, tu aies une prime à peut-être 15 ou 20 000, tu vois. Après, ça faut pas oublier prime à 15 ou 20 000, que je suis relativement bloqué en semaine par mes contraintes extérieures. Donc, je suis là certains soirs, effectivement, mais c'est surtout les week-ends que je suis présent. Ouais. Donc bon. Bah écoute, t'as plus qu'à charbonner le week-end et à faire des patrouilles du matin jusqu'au soir. Non, bah si. Ouais, y'a pas trop d'autres solutions. Y'en a un qui faisait ça auparavant, avant qu'il soit commandant. Je vais avoir deux on va dire, week-ends qu'on peut appeler, je crois, qu'on leur donne un nom du style repos vaccin ou un truc genre, j'ai pas trop compris, mais ouais, je vais avoir deux week-ends pour ça bientôt, donc je vais prendre le temps de faire sûrement ce genre de patrouille. Je vois. Et pour tout ce qui est cosmétique, y a... tout vous va? Ça, y a rien à changer? Et, qu'est-ce qui peut être fait en cosmétique dessus? Oh, sur ce genre de modèle, je pense que c'est à peu près tout. Hein. Je pense qu'en vrai, sur ce modèle-là, tu pourrais peut-être même juste changer la couleur qui est là en noir métallique un peu. Là. Et tu pourrais même la mettre en noir mat. Ça ouais, je pense qu'en noir mat, elle rendrait super bien. Bah, je peux vous montrer à la limite. Ouais. Ah, je veux bien voir. Je pense que ça peut rendre vraiment bien. Ouais. Changer les jantes et les mettre un peu plus foncé ou alors même noir et voir si tu peux pas rajouter un liseré dessus. Ouais, mais si elles sont noires totalement, je trouve que le rouge derrière serait, à l'intérieur serait un peu moins. Ouais, ou alors laisser les roues un peu en gris métallisé. Okay. Bon, ça, j'ai de la merde. En noir mat, ça donnerait ça. Après, on peut changer la couleur secondaire aussi hein, pour que tout soit. Vérifier la couleur secondaire. Voilà, tu vois, ça c'est un noir mat.
Je regarde pour la secondaire. Je peux pas vous montrer les deux peintures, malheureusement, si vous les achetez pas. Hein. Je vais pas vous les mettre. Eh, en mat, c'est vrai que ça rend bien. Hein. Ça, c'est le mort mat, tu vois, sur le capot. Et on pourrait avoir ça sur toute la voiture. C'est pas beaucoup. Je pense qu'on devrait être en dessous de 3000, je pense. Bah, allez-y. Pour le noir mat. Allez. Attendez, je vous donne quand même le prix d'abord, je pense que ce sera pour être sûr. 990. Et là. Ah, 1680 quand même. Quand même. On est sur 3070 et 50 centimes. Bah, allez, ça passe. Allez, tout en noir mat. 19000 sur mon noir mat. Tout en noir mat. Alors, pas les jantes, bien entendu, juste la peinture. Ouais, les jantes tessellées comme ça, en vrai, ça fait. J'aime beaucoup les jantes un peu couleur chrome. Hein. Bah, ça fait un peu chrome et puis ça rappelle surtout le style berline de la voiture. C'est ça. Et j'aime regarder cet aspect. Putain, en noir mat, ouais, effectivement, elle est incroyable. Ouais, c'est vrai qu'elle rend vraiment bien. Ouais. Ça fait très... Bah, je trouve que le noir mat, c'est vraiment une des couleurs qui va vraiment bien avec certains véhicules en fait. Alors tu regardes par exemple mon RS6, t'as le côté blanc et l'autre côté c'est un noir mat. Mais je trouve que le noir mat rend tellement bien avec le blanc cassé comme ça à côté. D'habitude je suis très réticent au mat, j'aime bien le brillant ou autre. Mais c'est vrai que pour là ça impose, ça fait... Bah, en fait ça dépend du type de véhicule, en fait. Quand t'es sur un type de véhicule un peu genre berline ou un peu type comme le RS6, un peu tu vois grosse berline ou quoi. Le mat ça passe tout de suite, en revanche quand t'es sur une sportive ou quelque chose comme ça, bah un truc un peu brillant ça passe mieux tu vois, parce que c'est une sportive. On a toujours cette approche là de une sportive, bah ça c'est bling bling, ça brille, etc. Alors qu'une berline, t'as plus l'impression de quelque chose d'un peu plus modeste, un peu plus sobre, ouais. Un peu plus sobre. Bah, typiquement, la Shafter V12. Typiquement, dans les jantes assez sobres qui iraient bien avec celle-là, je pense que celle-là par exemple, elle rentre très bien, je trouve. Ouais. Très stylée, très élégante. Plus large. Ouais. Peut-être une jante un peu moins large. Ouais. Je prends un modèle bien moins large en tout cas. Si tu veux là, c'est... Ah, on a tous les modèles hein. Ça va, c'est bien ouais. Ouais, ça donnerait ça un peu moins large, les mêmes. Après on en a d'autres. Hein. Les pneus étaient aussi grands. Ouais, les pneus changent pas, la taille de la roue change pas, ouais. On change que les jantes. Après on a tout type de modèle, après honnêtement dans tous les cas les jantes elles vont être autour des 7-8000, donc si vous avez pas spécialement les moyens on peut faire ça plus tard, hein, c'est juste pour regarder. Oui. Niveau vitres, il y a des petites teintes Ouais bah je vous montrer, j'imagine les vitres les plus teintées. Assombrir, mais je sais pas à quel niveau d'assombrissement. On a plein de niveaux, je vais vous montrer. Il y a plein de niveaux en sachant que... Ça là-dessus on est bien. Oui. Ah on n'a pas le droit. C'est interdit, faut qu'on puisse voir qui vous êtes à l'intérieur de votre véhicule. Aïe aïe aïe! Ah, je l'ai installé sur une voiture cet après-midi. Bah, c'est pas grave, on ira prévenir la personne que c'est interdit et elle reviendra chez vous pour se faire retirer la teinte et vous pouvez la facturer. Allez, parfait. Oui, c'est celle-là du coup qui est interdite, c'est ça? Ouais, non, et de toute façon, elle m'intéresse pas. Une teinte trop sombre ne m'intéresse pas. Bah, en gros, ouais, d'usine, vous avez à peu près ça. On peut vous donner ça qui serait, bah non, encore plus clair en fait. Donc non, je pense que vous avez le plus sombre qui est autorisé en fait déjà là. Ah oui ? En usine, ouais. Non, je bien. Non bah écoutez, je prends. S'il est d'usine... Bah vous l'avez déjà, hein, c'est celui que vous avez. Je ne le voyais pas. Moi aussi je le voyais pas en fait. Vu que peut-être... Oui, sur le pare-brise ça se voit pas. Le pare-brise reste transparent évidemment pour des raisons de sécurité. Forcément. Bon bah écoutez, s'il était de base, je ne le voyais pas donc... Ouais, c'est vrai que maintenant que... Ouais, ça... Mais vraiment, en fait, même sur le côté, je ne me voyais pas, mais je vais être fatigué. Ça arrive. Ouais, parfait. Hein. Sinon, ouais, non, après, on va forcément taper dans des plus chers. De toute façon, plus le véhicule est cher, plus les améliorations le sont, hein, donc... Bon, bah, écoutez, je vais vous payer en tout cas pour la peinture. Ouais, je vous dis, c'était, oui, 3070, je vais vous faire la facture. Nickel. Ok. Oui, il y avait 50 centimes, j'ai oublié de préciser, mais voilà. Ah, mais non, s'il y avait 50 centimes, moi je paye pas. Je,
comprends, je comprends. Ouais, voilà. Nickel, bah écoutez, parfait. Merci à vous. Chef, vous voulez venir gasser avec moi sur le tour rapidement? Bon, je pense que je vais juste aller dormir parce que je viens de voir qu'il était bientôt 2h du matin. Ouais, vous avez une dizaine de minutes avant la tempête, hein, donc peut-être un peu compliqué. Non, mais je vais l'amener au garage. Là, en tout cas, merci. Bombarder. Mais de rien, bonne soirée. Merci à vous aussi. À bientôt. Et je repasserai dans la semaine à améliorer mon véhicule. Ok, ça marche. Bah, dans l'après-midi, sera sûrement moi. Ce week-end, il y aura peut-être Edouard qui sera là. Moi, je serai pas là. Oui, mais je passe pas dans la semaine. Je viens de faire claquer toutes mes économies. Laissez-moi le temps de travailler aussi un peu. Ça marche. Mais bonne patrouille alors. Ah non, c'est pas par là-bas. Il va où? Mais... Ah oui, non. Oui, c'est... il y a rien ici. C'est mal. Ça va Edouard? Ça va très bien, et toi? Ouais ouais. Bon, le pauvre il avait pas grand chose sur lui, il venait plus pour voir une idée des prix. Mm-hmm. Mais il a quand même payé 3000 le cosmétique, ça va. Ok. Bon quoi de beau, quoi de neuf? Faut qu'on voit pour la compta parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Faudra... Ah dis-moi. Si t'es encore dispo hein, au moins une demi-heure, faudrait qu'on voit tout ce que t'as fait pendant que j'étais pas là. Ouais carrément, bah j'avais prévu de l'écrire sur l'intranet après mais ouais ça marche. Ok, vas-y, ben j'arrive, juste on va dans mon bureau. Ok. Ou à l'accueil, comme ça si on voit s'il y a des gens qui arrivent. Ah, j'avoue, l'accueil c'est peut-être mieux, ouais. Ok. Là, ils étaient en orange, mes néons ? Ouais, ça a l'air. Après, je vais être honnête avec toi, je suis daltonien, donc je sais pas trop. Mais ouais, ça a l'air orange, ouais. Ouais, ça fait un peu plus jaune, vert clair dehors. Je crois qu'ils sont en or. Et tout à l'heure, quand t'as dû faire ta sieste, t'as utilisé le menu F3 pour les RGB, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai essayé le menu F5, ça marche bien. Ouais, mais quand tu choisis de... Comment dire? Quand tu choisis pas de couleur, t'es bloqué dedans quand même. Oui, dans tous les cas, t'es obligé d'en choisir une, ouais. Mais c'est pas grave, ça ne coûte pas. Oui, on en a plein. Ok. Bah il y a la tempête dans bientôt, on se retrouve après. Comment? Il y a la tempête bientôt, même après la tempête on se retrouve. Ouais, carrément. Ok, ça marche. À toutes. Il doit y avoir des trucs genre Linbar, je crois. Ouais, pas ouf. Linbar 2. Ah, c'est trop bas en fait. Ah, ça c'est pas mal.
C'est mal, mais c'est pas le bon sens. Mais niveau hauteur et tout, c'est bien. À la limite, du coup. Hop. Une barre 4. Eh, ça rend bien. Hein. Et pareil, sur un capot de voiture ou quoi, ça peut rendre stylé, ça. Hein. Je pense que je vais la garder, en vrai. Eh, mais attends, elle est pas dans le bon sens. Est-ce qu'il n'y a pas la 5 qui fait pareil dans l'autre sens? Il n'y a pas la 5, j'ai l'impression. Ouais. Bon, en vrai, elle est quand même si. Faudra que je sache, et voilà. Peut-être, du coup... Les modes bind... Num... 9. 9. Lin... Bar... 5. Non, 4. Je la teste. Hop. En vrai, ouais, elle rend bien. Mais genre ça donne quoi par exemple sur un mur? Un mur, bonsoir. Là, je peux pas me mettre collé au mur. Ok. Par exemple, sur ce genre de bail, ça devrait rendre bien, ouais, non? Ah, c'est trop haut, je pense. Ah, quoi qu'en... Ouais, non. On voit qu'il pose ses mains et tout. Mais du coup... Entre un line bar 3... Ouais, c'est bien niveau hauteur. Genre même un line bar tout court. Ça rend bien. Je vais grailler. J'ai remarqué que j'ai essayé de manger mes boîtiers RGB pendant qu'on parlait. Vu qu'on parlait, j'étais pas très concentré. Même je suis con, on va déco de toute façon. Bref, bon. J'ai bu et j'ai mangé. Qu'est-ce qu'il fout? Ça va, tu t'amuses bien? Ouais, ça va, ça va. Mais c'est bizarre la voiture là. Toi, tu vois ma voiture, elle est abîmée ou pas? Ouais, elle est un peu rayée à l'avant. Ah, ok, ok. C'est tout en vrai, juste une petite rayure devant moi là. Ok, ok. Mais les phares, ils sont pas cassés? Non, ils ont pas l'air cassés. Ok, ok. Parce que moi, j'ai une mauvaise vue en vrai pour ces trucs. Y'a même pas de rayure à l'avant pour moi, mais du coup, y'a une voiture qui a bougé toute seule. Ah. Genre la voiture qui est là-bas là. Ah oui, d'accord, ouais. Bah elle est bien cabossée en tout cas l'autre. Mais toi non, juste une rayure. Bah ouais. Mais pourtant je l'ai pas touché. Voilà. Arrive hein. Tempête. Qu'est-ce que ça fait pendant une tempête? J'ai envie de voir. De toute façon, Edouard, c'est mon patron, donc j'ai intérêt à ce que ça se passe bien avec lui. J'aime bien Los Santos Custom. Et surtout, j'aime bien qu'il soit pas souvent là. Parce que du coup, je suis pas le. Genre le sbire, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, si tu bosses dans un truc où bah, le patron est toujours là, c'est en mode bah t'es juste l'employé et voilà. Là, au final, quand il est pas là, c'est moi qui, bah, qui gère le truc et tout, tu vois, donc c'est cool. Et puis en plus, ça fait forcément plein de demandes vu qu'il y a des gens qui veulent avoir justement ces services-là. En après-midi et tout. J'en mets à 2 minutes avant la tempête.
Qu'est-ce que ça dit sur Discord? Rien de bien fou. Hop. Oh la dingue. Ouais, c'est la preview du stream en fait. Dès que j'active la preview, c'est chiant. Bon, par contre, en vrai, le jeu est beau. Hein. Pour un truc où j'ai tout mis au minimum et tout, c'est quand même vraiment si. Un jeu qui conseille lui. Hein. Ouais, il va le garer. Il a bien raison. Il est parti. Je vais voir ce que ça fait à la tempête. Je vais courir. Ouais, par là. En vrai, je commence à en avoir à moitié marre du gameplay un peu débile. Au moins au LS Custom, j'avoue que je commence à me sentir à l'aise. Ah, ça y est. La tempête. Très bien. Belle dingue. Hein. Hop, on va se mettre ça. Disconnected. Et du coup, je peux relancer direct. Oui, là, je vois qu'il y a deux connectés, donc c'est bon. Waiting for game to shut down. Ah, d'accord, ok. Attendre que le jeu soit bien fermé, tout ça. Gabriel Park qui est connecté, je sais pas qui c'est. Il faut peut-être redémarrer. Ah, je sais quoi ça. D'accord. Je vais relancer 5M aussi, hein, pour être sûr. En vrai, c'est très bon bail LS Custom parce que je pense que c'est grave du contenu late game. Genre, une fois que t'as un peu tout acheté et tout, bah, ce que tu veux faire, c'est ça en fait. C'est aller de custom plein de voitures et tout. Ouais, ça marche pas. Server stop. Ok, ouais, c'est que c'est pas encore fini. Mais ça me dit qu'il y a deux connectés. Les variables du serveur. C'est la première fois que je me reconnecte juste après une tempête, donc je sais pas trop. Pour info, du coup, les tempêtes, je l'avais déjà expliqué, mais je l'aurais dit au cas où, c'est des genres de reboot du serveur pour clean un peu les trucs qui traînent, quoi. Genre, c'est un wipe un peu de tout, genre par exemple, tous les véhicules qui sont dehors vont à la fourrière, les PNJ, je pense qu'ils dépop repop. Pareil, je sais pas, les trucs qui ont été poussés ou qui ont été envoyés dans tous les sens, ils reviennent. Enfin, tu vois, les vitres qui ont été cassées se réparent. Enfin, bref, un genre de reset, quoi. Bon, pour l'instant, je peux vraiment pas me connecter. D'accord. Ah non, ça marche pas. Hein. C'est entre 5M et le serveur que ça marche pas. Hein. Donc, ouais, c'est le serveur qui déconne. Allez, je viens de voir. Si tu changes pas la couleur, tu peux quand même pas sortir. Ouais. Oui, non, mais moi je fais tout le temps par F5 en fait. Bah super.
Edouard qui fait toujours F5 mais qui m'a dit de faire F3. Vous arrivez à vous reconnecter, vous ? Oh, tu m'as fait peur. Non, pour l'instant, non. Ouais, moi non plus, c'est bizarre. C'est pas normal que ça prenne un peu de temps ? Bah, normalement, non, ça revient assez vite. Eh ben, pas de chance, hein. Ouais. Mais je comprends pas, parce que là, j'ai rien marqué à toi, et j'ai plus dans... sur le Google Sheets que dans le jeu. C'est pas normal. Je devrais avoir l'inverse. Ouais, normalement, ouais. Ouais, je crois que le jeu est bugué. Mais je me demande si c'est que... Est-ce que quand t'as fait tes kits, t'as vu que tu gagnais ouais. 20 et... ouais, l'entreprise 25. Ouais. Ok, donc je pense pas qu'il ait baissé le... Le prix des kits, du coup, je sais pas pourquoi pourquoi il y a un écart. Bah attends, s'il y a plus... Toi, t'as plus dans ta compta que il y a dans le jeu ? Ouais. Bah c'est que les modifs, ça a des coûts... Ouais, non, je sais pas, bah oui, non. Bah tout a été payé dans le... T'es sûr que Gaston, il t'a payé le truc ? Vous calculez par rapport à... Vous êtes du... LSMS ? Pas LSMS, c'est que je rencontre. LS Custom, ouais. LS Custom. Ouais. Vous savez quand ? Bah, moi, j'ai pas vu qu'il m'a payé, mais il l'a sûrement fait. Je sais pas, moi, je sais qu'il m'a payé les 3000, mais bon. Mais c'est pas ça l'écart, dans tous les cas. Ouais. Bah, après, si. Ah oui, non, mais si t'as plus dans la contract dans le jeu, ouais, c'est un problème. Il y a au moins 9000 d'écart. Écoutez, s'il faut déposer une plainte au LSPD, hein. En vrai, je sais pas. J'essaie de réfléchir à peut-être que j'ai fait une connerie et tout, mais je vois pas. Oui, de toute façon, si t'as pas encore noté mes trucs. Ouais, je sais pas. J'arrive pas à réfléchir. Il est trop tard. Mm. Ah bah là, Nextera, ça me dit offline. À côté là, ça me disait que c'était online et qu'il y avait deux joueurs. Ouais, je pense que c'est bugué. C'est peut-être 5M. Bah, du coup, on verra une autre fois, t'inquiète. Ok, bah sinon, au pire. Bonne soirée, en tout cas, moi je vois. Ça marche. Oui, salut. Bah, si tu veux, au pire, on peut vocal Discord 2 secondes et. Bon, on va pas se prendre la tête maintenant ouais, avec okay. ça. Ouais, ça va. Ça me saoule toutes les semaines, il y a ça. Mais je comprends pas pourquoi, parce que normalement je suis le seul à y toucher, du coup. Enfin, la dernière fois ça marchait très bien, je sais pas. Je sais pas, on verra. Ouais, je sais pas non plus comment ça marche. De toute façon, là je pense, genre là tout de suite je vais faire les. Je te vais te mettre tes trucs sur Discord et bah, tu pourras les noter, tu verras. Ouais. Ok, ok. Et tu joues pas trop en semaine, toi, c'est ça ? Bah, c'est que là en fait, bah non, parce que je travaille et là aujourd'hui je faisais du 14h-23h du coup. Oh ouais, dur. Du coup, t'es là le soir en semaine quand même ou même pas ? Ouais, normalement je suis là le soir en semaine. Ok, moi je penserais, je serais soit là l'après-midi, soit le soir, donc on verra. Mais... Ok, ok. Mais normalement là, ouais, demain soir, pas sûr, mais dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, pas sûr. Vendredi soir, normalement, oui. Ok, ok. Ouais, bon, on verra quoi. Ouais. Ça marche. Vas-y, à plus. Bonne nuit. Ouais, bisous, bonne nuit. Ah, du coup, j'ai gardé l'habitude de dire bonne nuit aux gens. Bon, allez, si tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va, moi aussi. Quoique je serais chaud de me faire un petit farm de kit, mais à la limite, je vais peut-être me le faire en live, tranquillou. Histoire d'avoir un peu plus de moule là. On est où ? On est là. Oh là ! La couleur est bizarre, hein ?
Peut-être qu'il y a de la fumée devant l'objectif. Ah non, je sais pas, la couleur m'a l'air bizarre. Bon, de toute façon, c'est la fin de live. Moi, j'ai chaud sa mère. Je vais faire ma compta sur Discord. Et nous, du coup, on se retrouve lundi. Alors, je sais pas quand. Je pense lundi après-midi. Ouais, peut-être plutôt dans l'après-midi. Je sais pas. En vrai, je sais pas trop. De toute façon, ce sera soit... Bref. Non, oui, ce sera l'après-midi. Ce sera 14h, comme d'hab. Comme ça, on est bien. Et après, on verra pour les autres jours. Je vous préviendrai au jour le jour. En tout cas, merci à ceux qui sont passés. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît. Bon, franchement, l'esquistome, je kiffe. C'est trop kiffant à faire. Je sais pas, enfin, je sais pas pourquoi. C'est juste le fait d'avoir vraiment un taf et tout, les clients. Après, je sais qu'il y a aussi beaucoup les helpers qui sont venus. Genre Liam, même Nathan et tout, je sais pas s'ils voulaient vraiment faire leur custom ou si ils étaient là, vu que c'est des helpers, je sais pas s'ils étaient là juste pour me faire bosser quoi, ou s'ils avaient vraiment besoin de custom, je sais pas, mais ouais. Ah, par contre, ouais, putain, il va falloir que j'annonce à Zoé que je vais pas donner la bonne tonne de vitres. La petite dingue. Au pire, oui, si elle le dit à personne, ça ira, je pense. Ça ira. Bon. Moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, à lundi du coup, lundi 14h. D'ici là, bon week-end à tous. Si vous faites la fête, soyez prudents. Si vous faites pas la fête, soyez prudents. On se dit à lundi.